C'est pas mal. C'est rigolo dans des âneries parce qu'en fait, ce qui me manque. Bonjour à toutes et toutes, hein, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je démarre très fort en faisant l'idiot. Vous savez quoi? L'idée, c'était essayer de reproduire le. On en avait parlé il y a pas longtemps avec Cousin, quand on a fait du Saints Row. À un moment, j'avais cru voir les frères Dupont et Dupont, les détectives, pardon, dans l'univers d'Hergé, Tintin et Milou. Le moment où ils ont les pilules qui leur fait pousser les cheveux, et je pourrais presque. C'est con que j'ai pas. Il faudrait que je vois. Alors, j'ai une barbe de. Mais blanche de Père Noël. Et je me dis que j'aurais eu la barbe pareille en comme ça. Je pourrais presque me faire passer pour les Dupont avec le poison en dragée là de quand ils ont les cheveux qui poussent. Il y a aussi sur l'épisode sur la lune. C'est très con. Et c'est vrai, on pourrait croire que. Enfin, moi, ça me fait vachement penser aux Dupont. Quand ils ont les. Quand ils ont les pépins de. Voilà, de cheveux longs colorés. C'est la vanne. Sur toutes les cochonneries chimiques là qu'on peut. Ingérer par rapport au. Commerce. Et l'agroalimentaire. Alors, ânerie à part. Ânerie à part, donc péripétie, ça va, vous voyez, je suis devant vous ce midi devant l'écran. Après mes péripéties, je suis rentré à 4h du matin de l'aéroport de Strasbourg. Alors c'est bien, ça m'a permis de voir la famille. Ça fait une aparté pour les vacances estivales. Beaucoup d'animaux. Des biches, des sangliers, des chats. Je sais plus si j'énumère tout. J'ai même vu une chouette étrangement posée sur un panneau de signalisation. C'est droite comme un i, ça m'a fait bizarre. Et puis la flotte. Oh! De 22h à minuit, et même au-delà sur le retour, flotte, 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 c'était fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors je vais pas regarder l'accoutrement plus de 5 minutes parce que évidemment ça, je cuis hein, déjà. C'est pas comme s'il faisait 26 dans mon salon. Mais c'était pour faire une introduction rigolote. Donc je vais démarrer tout doux sur le State of Decay. Et bah, quand les copains se manifesteront à moi après la pause déjeuner. Alors moi j'ai déjà mangé. Vers les 14h, d'ici 90 minutes, je pense qu'on va se rendre vers des gens communs tous dimanche après-midi. Et puis, comme je suis décalé maintenant, ayant fait la route de nuit, je vais tenir jusqu'à minuit. Ah non, direct Twitch. Bah, c'est l'été, on en profite. Mon cerveau me dit que je vais vous lancer le jeu. Ah oui, il me faut le périphérique de jeu aussi en main. Ouais, je vais faire comme ça. J'espère que la balance de son est bonne. Pourquoi j'ai le oui non qui me gâche tout? Alors, je sais pas. Ah, merci. Attends, je veux bien continuer, mais si je pouvais avoir un réel plein écran, ce serait bien. Attendez, je vais vous mettre le bon plan, qui est celui-là normalement. Ce serait pas mal que je regarde mon tour sur la tablette. Attendez, je vais me programmer ça. Attendez, je vais me déséquiper parce que je cuis là. Ça me pèse. J'arrive. Ah, merci. Bonjour petit Seb. Merci. Attends, au moment où je me lève. Parce que je fais l'idiot et je teste des trucs. Merci d'avoir pensé à moi pour le relais de chaîne. J'espère que c'est bien passé. Alors, attends voir. Attends, allez voir. La 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 la. Oui, je présume que tu as filé manger, bon app. Oui, le siège vide, ouais. T'es arrivé au moment où je me levais et je faisais des manips. Mais j'espère que ça va bien, merci. J'espère que ton direct s'est bien passé ce matin. Ouais, ça va, la bonne forme, tu vois, après une nuit.
une nuit en Et c'est dehors, un enfin dehors, relais de sur la route. Chêne. Rentrer à Merci, 14h du matin. j'espère que Oui, mon invisible, contenu j'arrive, les copains, j'arrive. Vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà. Ça peut être pas mal. Alors, je vais faire un test. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Oh oh oh. Ah, je me fais peur. J'ai cru un instant que j'avais foutu l'oreillette dans l'écouteur dans un mug de flotte. Oui, bon app. Merci. Bon app, bon app. Moi, j'essaie de regarder mon propre retour sur la tablette. Mais non, mais... Oh, putain. Ah, c'est bien foutu, les pubs, je vous le dis, moi. Évidemment, tu fais un double clic sur la... Au moment où il y a la pub, il te fout le site du publicitaire, là. Et il te met pas le plein écran que tu souhaites. Alors, non, c'est très bien passé, puisque j'ai résolu le problème de latence au baisse et tout va bien. Ah oui, bien, petit Seb. Ah oui, c'était l'horreur, ton histoire. Oui, il faudrait regarder et faire un retour contrôle qualité entre 2 jours différents. Mais ouais, c'est... Ah ouais, je te le souhaite, petit Seb. Bon app, merci tout le monde d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Voilà, moi je continue mon solo de State of Decay. Ah, bon, j'espère que tout le monde va bien. Ah. Oui, je crois qu'on a réalisé la pire transition possible au moment où je m'absente. Enfin, que j'enlève mes fesses pour faire des manies pour caméra. Alors, ce jeu très punitif, on l'a vu au premier épisode avec les bons conseils de Torota, que j'embrasse. Attendez, je me réapproprie l'interface. Le moral est plutôt bon. Bouffe, santé, munitions. Ça, apparemment, c'est les vivres. Influence. On est un groupe de 7 survivants. Ouais, j'ai des rations de bouffe. J'ai un fusil qui va faire un boucan d'enfer. Un petit flingue serait peut-être mieux, non? Pardon. Alors, comment je fais pour dire que je vais me débarrasser du flingue, passer du sac à dos vers le... Déposer espace, d'accord. Et prendre espace. Je peux pas faire comme ça. Ah oui, d'accord. C'est la touche là. Ah là 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 là. Je vais y arriver. C'est quoi ça? Ah, oui, mais c'est des balles qui sont pas valables par rapport. Bah oui, c'est des balles de fusil. Moi j'en veux pas, moi, des balles de fusil. Non, mais retire tout. Comment on fait? Ah, stocker 10 E. Oula, toute une science ce jeu. Des snacks à manger, un truc de croquettes, ouais, pour patater les ennemis. Endort la douleur, machin, ouais. Alors, il faut des balles de .45. Des munitions de... Voilà. Ah bah c'est bien, ils ont l'intelligence de mettre en lumière le... C'est pas clair le E prendre. Ouais, je prends 30 balles. Eh, si je tire 30 balles, franchement, c'est que j'ai déjà fait un sacré carnage. Surtout que je vais essayer de faire encore. Alors, tâter le terrain. Tu parles d'un étui d'une mission. Bon appétit tout le monde, hein. Moi, ça va, je suis rassasié, j'ai déjà becqueté mon repas. C'est pour ça que j'ai pris mon antenne à midi et demi et pas à midi. Au moins, ça s'est fait pour moi. Reprendre le jeu, je veux la carte. Comment ça, applaudissement, c'est fini, oui. Burk. Ah, fait jeter de là. On cherchait un endroit où trouver des médocs. Ah, il faut fouiller le... Il faut fouiller le quartier. C'est un peu une organisation à la... Vous voyez, à la 7 Days to Die, quand vous avez des cartes avec un crayon sous la main.
C'est un peu une logique à Seven Days to Die. Bon, je sens que je vais mourir comme un caca. Alors, j'ai bien compris que c'était le genre de jeu, t'as même pas le droit de lâcher une caisse dans le sens intestinal du terme. Parce que même l'odorat, les zombies ils l'ont encore. Blablabla. Faut pas que je me fâche à voir. Voilà, il y a trop de zombies déjà. Non, non, reste en ninja. Mode ninja, ma grande. Déjà que j'avais détesté le coup de la horde qui m'avait repéré, là j'étais choqué. On va pas se mentir, j'étais choqué. Je pense qu'il faille prendre l'autre rue pour atteindre notre objectif. On the road again, again, oh. Y'a un zombie sur la route. On peut pas fouiller les. Mort et quelque chose à fouiller. Non, il n'a pas d'affaire, le malheureux. Oh la vache. Stop ahead. Oui, un stop en face. Il y a une maison en construction. Nous voyons des choses en mode exploration. Oh non, mais non. Sérieux, il a le coup d'œil. Bon, on va prendre la poudre d'escampette. En espérant qu'on en amène pas trop. Dis-moi qu'il n'y a personne là. Ça a l'air relativement, je dis relativement calme. Ah, il m'a pas suivi cet abruti, le bol. Oh, je peux fouiller la tuture. Mid. J'ai le stress. Il faut aller en mode ninja. Oh, j'ai envie de fouiller le van noir. Putain, ça fait tellement véhicule, vous savez, dans les séries américaines, là, les Secret Service, là. Les agents secrets, on bosse pour la NSA. Et y'a rien là-dedans, ça le fait pas. Oh, un barbecue. Ah, avec les survivants, je fais une soirée barbecue. La 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 la. Bon, c'est pas mon objectif de. Je vais essayer de. À peu près. Je dis bien à peu près sérieusement honorer mes objectifs de mission. Oh merde, putain! Ah, oh la vache, pour te libérer, vas-y toi. Est-ce que je peux tendrement l'assassiner? Tout doucement. Oui, d'accord, les flèches rouges indiquent les hordes au loin. D'accord, le truc bien craignos. Putain, la pose du mec. C'était un rocker dans une autre vie. Bon. Je sais que cette demoiselle est à croquer, mais au change propre, c'est douloureux. Un magasin de flingues. Stratégiquement, c'est super important. Je veux des munes gratis. Des munitions. Vous pouvez être sûr que le bâtiment est piégé. Alors déjà, il y a Madame Zombie qui se pète la tête contre le mur. Ah, un Torota. Message de Torota 77. Ah oui, alors. Les coffres que tu ouvres, tu ne trouveras en général rien, à moins que tu déposes tes affaires dans le coffre et que tu conduises la voiture. Alors, bonjour Torota, et tu as brisé mes rêves. Je croyais encore à ce jour au Père Noël, hein, même en mode apocalypse zombie. Ta 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 ta
Attends, je vérifie que le bâtiment est vide. Alors, je suis fou parce qu'en plus, je laisse la porte ouverte. Enfin, stratégiquement, c'est pas forcément un mauvais choix. Parce que tu peux évidemment te carapater plus vite si tu te fais pas cerner. J'ai l'impression qu'il y a du peuple en haut. Oh putain. On va tout défoncer. J'avais fait des liouets. Non, c'est faux. Je me fais flipper. J'espère que déjà lui il est bien mort. Est-ce que je peux m'approcher et... Eh, pas mal. Non, n'ouvre pas la porte. Malheureuse. Ce n'est pas une journée porte ouverte. Bon, visiblement, il n'y a personne sur le balcon, tant mieux. Alors. Il va y avoir des bonnes surprises. Dans l'armoire blindée. Ah! Boîte de munitions aléatoire. Oh, c'est la surprise. Lance-grenade? Wow! On va avoir un boss à la Resident Evil ou quoi? Encore, on serait chez les militaires, je dis pas, mais. Message radio à la base, j'ai trouvé des munes. Allez, René, viens m'aider. Forcer l'ouverture. Mais non, mais non! Ah, tu m'étonnes. Lance-grenade, c'est un peu abusé. Par contre, des calibres prout-prout, oui, je viens. Oh yeah, j'adore l'ambiance. Je vais me répéter comme un ego hein, entre Shebao et j'adore. Je vais dire que ça tous les quarts d'heure. Je m'éclate comme un gosse, là je suis à fond dedans. Les ressources inconnues de l'armurerie. La 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 la. Tout est calme ici. C'est quoi le poster au mur? C'est une rockstar. Non? Ah non, il y a un pistolet mitrailleur. C'est pas une rockstar. C'est un défourailleur star. C'est honteux. Alors, qu'est-ce que quoi? Un kilo, c'est ça? Ah, j'ai pas le droit de prendre, apparemment. Cartouche de fusil, ouais. Ressources de munitions. Est-ce que je peux forcer l'ouverture du truc? Oh! Mais bien sûr que tu prends tout, ma grande. Merde, j'ai plus d'inventaire, plus de cases de livres. Merde. Attends, faut que je prenne les bonnes balles, moi. Alors attends, ça je vais le laisser là. Oh non, j'y reviendrai. J'aime pas les gémissements là. Attends, tant que je suis approximativement à l'abri, je serais bien de bouffer un truc. Mais non, mais arrête de... Non mais elle est folle. Je sais plus comment j'ai configuré mes touches. Ah! J'ai une lampe torche! Ah, mais danse pas la Macarena pendant que tu y es. Mais elle est folle, elle. Faut rester discret. Ah, j'ai jeté mon sac à dos, dis donc. Voilà. Oui, ça c'est la carte. Et ça c'est... Ah, pas mal. J'aurais aimé accéder à mon inventaire, c'est fou. Pourquoi j'ai pas de touche pour l'inventaire? Ou alors je l'ai mise sur ma souris. Comme j'ai la chance d'avoir une souris de joueur et que j'ai quelques touches sur la souris, ça peut marcher, mais non. En plus, elle est éteinte, merde. C'est-à-dire que ma souris s'est mal initialisée ou que mon pilote a été mis à jour et... Ah, soupir. Ah merde, attendez, excusez-moi, faut que je révise la touche. C'est quoi pour avoir accès à l'inventaire? Je veux accès à mon inventaire. C'est où accès au sac à dos? Alors, lâcher le sac à dos, je ne sais que trop bien le faire. C'est honteux. Bah alors, option prout prout, au bas, gauche, droite, d'accord. Mais
J'aime bien le coup de portière. Vent circuit, sprinter, infiltrer, rouler, interagir. Journal, radio, carte sociale. Bah merde alors. Ah, c'est utiliser objet. Oui, non, d'accord. Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, non, faut avoir la logique. Donc là, je mange mon truc. Ou pas. Bon, là, j'ai croqué un snack. Elle gagne pas un petit peu en vie, la malheureuse? Ou faut lui prodiguer des soins? Analgésique. Oui, ça peut être pas mal, ça. Voilà! Elle va mieux, la madame. C'est merveilleux. On continue l'exploration. Enfin, non, c'est plutôt l'évacuation, là, parce que j'ai fait le casse du siècle. Le casse du siècle. Oh, wow. Est-ce que je peux fouiller préventivement? Je crois. Hein. Ah, mais je vais faire du bruit. Je fais l'inventaire du magasin. Je vois des choses. Ouais, effectivement. Pas grave, on fouillera plus tard. Non mais je vais revenir à la base déjà avec les munitions, là je suis trop content. Alors c'est pas du tout l'objectif, c'est ça que j'adore dans le jeu. C'est absolument pas mon objectif. Non, cours pas malheureuse. Puis c'est bien, vas-y, marche dans la boue, allez, zou. Comme lorsque t'étais gamine, amuse-toi à sauter dans la flaque, histoire que tout le monde te repère. Wow! Il y avait un zombie à côté du bâtiment. C'était lui que j'entendais gémir. Ah, speed limit 30 miles par hour. Ah bah oui, bah là pour le moment à pied, on est contraint de respecter cette limitation. Bon, allez. Faut que je me mangue les fesses quand même, parce qu'à ce rythme-là, je vais rentrer au petit matin. Allez, comme limitaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Avec 15 kilos dans le dos. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, arrivée à la base, elle fera 10 pompes. Je rigole, mais coucou. Le pire, c'est qu'il y a des athlètes qui ont le statut militaire qui font ça sans déconner, sans broncher. Ils vous font ça au pied du lit, sans faire la grimace. Bonjour, tu es une scène. Bienvenue sur la chaîne du taxi de Nancy. Le taxi de Nancy. Ah mon dieu. Oh, j'en ai vu des taxis, mais moi c'était les taxis de Strasbourg cette nuit que j'ai vu. Oups. Ok, I'm free and clear. See you soon. Je sais plus. C'est quelle partie du mur qui est pas. Oui, c'est celle-là qui est pas. Quoi? Mais pourquoi elle a tiré? Elle remplace le coq. Ah, il en plus, c'est un mec. Il remplace le coq le matin pour dire que c'est l'aube. Coup de feu. Ouais! On a amené des munitions. C'est ça qui est bon. Déposer. Oui, enfin, tout ce qui. Oui, stocker tout d'un coup, ce serait bien. Extraordinaire. Extraordinaire. La 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 la. Alors les calibres, ouais, 45, je me les garde parce que si je suis vraiment dans la mouise, que je me garde une arme. C'est là un petit creux. Oh, ça fait quand même pas mal de. Pardon. De matos. C'est bizarre l'arme qu'elle a utilisée, je suis pas sûr que. Alors l'étoile c'est quoi? C'est l'efficacité ou c'est la masse de... Non mais non, la masse elle est là. 5,3 kg. Ça par exemple, je vois que ça fait 2 kg. 4 kg. La masse à 10 kg bien sûr. Bah le programme du jour Twinsen, c'est à partir de 14h, dans une heure, quand tout le monde aura fini de déjeuner. On fait le point sur qui veut jouer à quoi, et voilà. Là, je me fais une bonne grosseur de ce jeu-là.
histoire de mettre le pied à l'étrier et que j'allume mon cerveau, si tu veux bien. Parce que c'est pas comme si j'étais réveillé depuis 1h30. Mais avec une petite nuit, puisque je me suis endormi à 4h30 du mat. Oh, faut que je fasse gaffe. Ma grande perruque, là. J'avais un long cheveu rouge. Enfin, rose. Faudrait que je revoie la perruque, comment je peux ne pas la malmener. Ah oui, j'ai déjà un deuxième cheveu artificiel. Ah, c'est pas bien. Si je commence déjà à perdre des cheveux artificiels de ma perruche en faisant l'idiot. Non, le Dark Hour Prologue, il est pas installé ni téléchargé. Je sais plus quoi en priorité dans la liste. En plus, c'est de l'horreur, le Dark Hour Prologue, donc... Je sais pas. Alors, si je me tourne en parfait gentleman vers Christella, parce qu'en fait, elle avait dit que elle nous rejoindrait jouer si on fait, tu sais, la cuisine, là, la cuisine à une main, le One Cooked. Donc, si Christella est intéressée dans l'après-midi à la plage horaire qu'elle soumettra de son souhait, déjà, on pourrait déjà essayer de se programmer ça. Non. Ah là 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 là, attention. Je sais que je suis mon vilain, parfois mon graveleux avec mes gauloiseries, mais... Dans le chat écrit, j'ai toujours peur de qu'il y ait des mauvaises interprétations. Ouais, elle va nous faire du chien à manger. Ah là là. Enfin, te connaissant, je sais que c'est pas vilain, mais bon, ceux qui connaissent pas la chaîne, ça pourrait en offusquer certains. Ah là 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 là. Ben. Ah ouais, 5,3 kg mon truc. Oui, bah. Je vais le déposer, hein. Oh oui, oh là là, elle est beaucoup plus légère. Ah oui, quand c'est jaune, donc c'est endommagé. Clé en croix, ça a l'air génial comme arme. Ça a l'air génial. Oui, 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 oui. Voilà, déjà elle peut transporter beaucoup plus de trucs, beaucoup plus lourds. Je suis même traumatisé par ses propos. Dites bon, retard. Oh, rigole. Bonjour, Popom. Bisous, Popom. J'espère que tu vas bien. Ah, merci à toi de passer faire un coucou. Alors, aujourd'hui, en Bretagne, il n'y a pas de flotte. Tu peux profiter de ta terrasse. Parce que comme tu t'étais investi à fond dedans pour avoir ton confort peinard pépouche chez toi. Pas siroter, je sais pas, une mentholet, la paille en bouche à côté de fripouille. Ah, superbe temps et pas trop chaud. Et ben voilà, profite, Poupon. C'est cool, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Mais merci du coucou. Et puis bon app, hein, ouais, c'est l'heure, 13h. Vous êtes sûrement avoir le pif dans l'assiette. Et je vous souhaite de manger avec appétit. Alors que je suis à côté des caisses de conserve. Bon, alors la suite. Tâter le terrain. Oui, bah ça va être sport de tâter le terrain par lit. Hop. Ouais, pas mal. Je peux dégainer le flingue naturellement. Pa 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 la pa pa la pa pa la. Attends, on va proprement refermer la porte. Merci. Oh, ce geste. Cette violence dans le geste. Alors là, il fait jour, donc je peux peut-être y aller un peu plus... Oula. Oh, la mobilité des zombies. La mobilité des zombies. Alors, attendez, je vais vous lire d'un coup d'œil dans le chat quand je me sentirai approximativement... Et je dis bien approximativement en sécurité. Les terrains donc je mange avec appétence. Quoi? Comment ça amener les zombies? Non mais elle est folle elle. Alors, waouh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a du peuple.
Alors je vais faire un bruit d'enfant. Voilà. Ouais, ça fait un bruit d'enfer. Merde. Ah ouais, faut vraiment bien viser. Oh ! Mais... Comment qu'il a giclé, le gars ? Génial. Oh merde. Ah non, l'autre tu m'as chopé. Oh la vache. Alors que j'étais déjà en train de me carapater. Quoi, une infestation? Pédu. Il se relève. Un scandale. Il faut vraiment bien viser la tête. Pour être sûr de son coup. Voilà, comme ça. Oh, cette violence! Oui, bah oui. Ah, t'as trop chaud, d'accord, Christella. Ok. Ok, ok, ok. Je conçois parfaitement, malheureusement. Alors. Voilà. Merde! Voilà, très bien. Amuse-toi à faire le loup-garou. Ça m'aide à viser la gorge. J'ai des pastilles pour la gorge. C'est horrible ce que je viens de dire. Attends, on va éviter d'approcher des fenêtres. Ah, il y en a encore. Attends, faudrait faire le tour de la baraque infestée pour être sûr. Quoi? Il y a potentiellement 6 survivants là-dedans? Putain la vache. Voilà. L'achat d'un silencieux me paraît nécessaire. Ouais. Mais en même temps la technique voilà, de faire le zouk dans le quartier peut s'avérer payant si elle est maîtrisée. Oh. Oh, vous êtes terribles les garçons aujourd'hui. Et je plaide coupable. Oula. Mais non, mais... J'aurais aimé qu'elle sprint, mais j'ai pas retrouvé la touche. Allez, go. Ouah, il y en a trop. Il y en a trop. Mais comment ça? Vous fatiguez? Oui, bah oui. Ah merde, faut qu'il recharge. Oui, je sais, j'en ai presque plus, mais... Merci. Il me reste 2 balles. Ouais, alors attends, faut changer de truc. Voilà. Allez, le bon vieux corps à corps. Attends, il y en a encore un qui fait suer. Oh, il est cordial celui. Violence. Violence. Oui, c'est vrai que l'idée de, ouais, ouais, de gérer un silencieux serait pas mal. Ah bah il a le crâne solide lui. Ah, quelle horreur. Hier soir j'ai diffusé Zombieland 2. Ça t'inspire pour le jeu d'aujourd'hui? Non, j'étais pas là hier. Hier soir. Non, pour mes folles aventures, mon cher Poupon, dis-toi que de 21h30 jusqu'à 4h du matin... J'étais sur la route avec ma frangine
on allait chercher son chenapan de fiston à l'aéroport de Strasbourg. Donc on a fait Nancy-Strasbourg, Strasbourg-Nancy, sous une flotte. Oh, un déluge. Par contre, les animaux, on en a vu plein. J'ai vu des biches, chouettes, chats, un sanglier qui traversait la route. Elle veut un autographe, elle, c'est pas possible. Wow! Non, pas de panda. Non, sous cette flotte-là, ça aurait été fou de voir. C'est quoi cette horreur? Alors, je doute qu'il y ait des survivants. Ah, il y en a un là. Coucou! Physique, la vache! C'est physique. C'est violent. Message de Torota 77. Le monsieur sans bras qui vient de crier est un hurleur, ça fait rameuter les zombies vers toi. Ah ouais. Je soupçonnais cette terrible logique zombie post-apocalyptique. Bon, c'est une maison à rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage. Bizarre. Il y a peut-être des trucs à prendre, mais quoi? Alors, ça s'ouvre sur l'extérieur, ouais, welcome, ouais. Attends, on va voir le petit cabanon et on va fouiller la tuture. Wow! Ça peut être sympa, ça. Projet de menuiserie, ouais. Je sais pas. Bon, bah au moins c'est pris. J'ai pas perdu. Alors la tuture, j'y crois pas trop. Voilà. Torota qui que quoi? Non, non. Ah oui, t'annules même pas l'ordi, ouais, c'était déjà 35 degrés, ouais, effectivement. Bon, c'est pas grave, ça arrive donc pour une prochaine fois. Mais ouais, je te comprends, putain, c'était à 35. Je suis bien content d'avoir, entre guillemets, que 26. Attends, d'ailleurs, je réfléchis, oui, non, ça va, j'étais en train de me dire, si j'ai ouvert ma façade sud, là, ça va pas le faire. Ah, j'ai eu un loot. Quoi? Belle Hollux. Pour la marque fictive du Fregat. C'est la Belle Hollux. Et non pas le Benelux. Bon, je te mets. Attends. Ah, c'est. Oui, j'ai peur. J'ai cru un instant que c'était des bougies sur le... en salle de bain et qu'ils avaient fait une cérémonie occulte. Ah, j'ai pas fouillé ce meuble. Fouillons tous les petits tiroirs, il y en a au moins 6, vu le modèle. Ah non, c'est des grands tiroirs, pardon, je crois que c'était divisé en deux. Oh, quelle tristesse. Quoi? Ah! Je comprenais plus, je viens de comprendre la vanne de Poupon, j'avais 37 de ce matin. Ah, encore une armoire. Une armoire, j'ai fouillé. Daddy, 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 doudé. Ah! Oh!
C'est intéressant. Vous cherchez quoi, ça? Ah, mais c'est des balles de calibre, et oh. Idéal pour écouter mon étoffe. Je peux les prendre ou pas? Bah, forcer l'ouverture, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, d'accord, c'est-à-dire que je les prépare sur place. Eh ben, c'est toujours ça de prix. Attends, je vais en laisser un pour... Mais pourquoi ils disent détruire et fermer? Je peux pas reposer dans le meuble, c'est un peu débile. Enfin bon, bref. C'est quand même dommage que ça marche pas dans les deux sens. Oh merde! Attends, parce qu'on est vraiment dans un clip à la Michael Jackson. Twitter, I'm gonna feed a Twitter on the black jacket. Do. Il y a une autre baraque à visiter. Ah bah ça craint. Twitter. Ah merde, elle est barricadée. Est-ce que je peux escalader la barricade? Je vais faire un boucan d'enfer. Et voilà. Alors, doucement, ne venez pas tous en même temps. Merde, ils ont pété les carreaux, ça va faire un boucan. Eh hey, oh, il y a des sprinters là, eh oh. Voilà, ça, je pense que ça va le calmer un peu. Moi, il faut que je reprenne de l'endurance. Wow! Mais il est pressé, lui! Ah merde, il y en a trop là. Attends, je vais m'attaquer à elle. Ils sont trop regroupés, c'est pas bien. Oh la vache, il y en a pas mal dans la baraque. Attends, oui merci, je voulais faire diversion avec un bruit de verre, bruit de glace, et je suis honoré. Bouge! Bouge! Ah! Ah, peut-être. Essayons. Ah, pas mal! C'est soirée barbecue. Oh! Un bâtiment de stockage. C'est un entrepôt. J'ai fait un streak! Il compte les points, monsieur le zombie! Il va pouvoir dire que j'ai fait un strike! J'ai gagné! Bon, je ne me répéterai pas, mais vous le savez, ma chaîne est 18+, comme pas mal de chaînes sur la plateforme Twitch. Hein. Je ne vous l'apprendrai pas. C'est sanglant! Ta-t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 a. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, un peu de pudeur. Cachez-moi ces horreurs avec un beau buisson fleuri. Oh là là, mais il pète les tympans, le hurleur. Alors, s'il y a eu le coup du hurleur et que personne se pointe, ça veut dire que je peux réaliser le casse du siècle potentiellement dans le quartier. On va attendre un peu. Oula, il est en surpoids, l'individu, là. Oh mon dieu, quelle horreur. Il y a quelqu'un d'autre? You. Ah, 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 j'ai entendu un gémissement de... Un renseignement, peut-être, monsieur. Ah.
Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Oui, je repense à la chaleur, là. Effectivement, Christella, c'était à 35. Le coup, à mon avis, qu'il faut prévoir, c'est d'avoir sous la main les brumisateurs. En plus, évidemment, des ventilos. Mais les brumisateurs, je pense même que pour tes filles, cannelle et noisette, là, ça va les... Ça va les chauffer. Ah ouais! The baraque vide. Tiens, c'est quoi ça? Une mallette porte-documents. Ah, je vois un zombie par la fenêtre. On dirait pas comme ça, mais ils se déplacent vite, hein, les salopards. Oui! Ah oui, alors. Très, très bon choix de flingue. Attends, il y a la zombinette dehors, là, elle me... Ah ouais, elle a repéré son voisin explosé dans le buisson. Adieu madame, vous avez perdu la tête. Vraiment de l'intérêt de scruter partout et de garder les yeux grands ouverts, même parfois les oreilles. Oui, profite de ta terrasse. Ah ouais, ouais, non mais je te donne complètement raison, Poupon. Bisous, profite bien, merci. A plus tard. Ah ouais, là je t'envie, là, siroter un bon verre tant qu'on peut respirer sur sa terrasse. Chez le grand frigo, le Bellalux. Bellalux. C'est quoi ça? Des recharges alimentaires. Oh, de la guarana. Retire les pénalités de votre résistance max. Ah, pas mal. C'est du dopage. Non, mais attends. Mais j'ai ramené des munitions, Nunuche. Tais-toi, Lily. Forcer l'ouverture. Ah! Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, le reste, on va le laisser dans le frigo. On sait jamais pour plus qu'on soit de passage. On sera content d'avoir quand même un truc. Alors, l'évier. Ne me dis pas qu'il n'y a rien dans l'évier. Je serais déchu. Ah! Ressources alimentaires. Encore un cocktail Molotov. Manger et un pied de table. Ressources alimentaires. Alors lesquelles? Ah, des snacks pour changer. Allez, on va les prendre. On va les prendre parce que c'est bien d'avoir de la bouffe. Bonjour Olive qui tue, comment que ça va? Ah, fait plaisir que tu passes faire un coucou. On sera même pas passé par l'étage. Faudra revenir. Faudra revenir. Alors attends, hey, ma santé elle est pas top. Oui, je peux déjà manger un morceau moi là, yo. Ouais, pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Oh mon dieu, il y a une horde là-bas au loin. Et je sais déjà plus où est ma base. Ma base. Je base. Alors j'espère que j'ai bien tout lu dans le chat et que j'ai pas perdu vos propos. Oui, je crois que je vous ai tous lu. Hein. Je le permets, oui, car je sais qu'elle n'en pense pas un mot. Oui. Oui. Ah ouais, là aussi, la baraque est en construction. Sympa, j'aime beaucoup comment ils ont modélisé l'endroit. Enfin, ça a son charme. Ouais, c'est bien basé sur les codes américains. Waouh, trop bien la bagnole. Mais il n'y a rien dedans, comme beaucoup de bagnoles.
alive inside. C'est quoi? C'est l'église de l'Ascension. Ah oui. Bah, l'Ascension, tu l'as fait en rentrant par le portique. Hein, parce que vu la petite côte, faut se la farcir. La 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 la. Oh là là, il y en a des zombies autour de la baraque. Il y a trop de zombies autour de la base. Laissez-moi vous tuer. Laissez-moi vous massacrer. Wow. Lots of Zeds right behind me. Oui, amuse-toi à faire un carton. Oh, y en a tant que ça. Oh, bonjour cousin. J'espère que tu vas bien. Ah, merci de venir faire un coucou alors que vous êtes probablement à table ou en sortie de table. Qui que quoi que t'es désolé, Olive. Attends, je vais te lire. Je vais te lire, Olive. Approvisionnement, ressources livrées, ressources gagnées, les gens sont contents. Oh, maximum de réserves dépassées. Sérieux? Ah merde! Il faut qu'on crée des containers tellement qu'on a de matos. Attends, il y a peut-être un moyen de fabriquer. Alors je sais qu'on peut barricader, mais est-ce qu'on peut créer des caisses et des containers? Ça serait peut-être bien, non? Je serais peut-être bien. Alan est triste. Mais non, faut pas qu'il perde espoir. La 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 la. Voilà, c'est comme ça qu'on fait chez Monsieur Bricolage. Message de Torota 77. Oh, Olive qui tue a dit. Oh, vraiment bof. Ah bon? Je voulais streamer via mon PC, mais OBS a décrété que même avec mes pilotes entièrement à jour, je ne pourrais pas lancer de stream. On a tout essayé avec Morbo, rien n'y fait. Ah ouais? J'avoue baisser les bras. Ah merde. Oh! Alors, moi, j'utilise un OBS modifié, c'est-à-dire que j'ai un OBS avec Streamlabs pour avoir un double jeu d'alerte avec Wisebot. S'il y en a un qui vient à lâcher, j'ai les alertes de l'autre. Vous voyez, c'est une route de secours pour qu'il y ait toujours de l'animation et que je sois, moi, justement, au diapason avec vous. M'a fait peur, cette conne! Pardon, elle m'a foutu les jetons, là, Big. Non mais dis donc vous. Non mais ça va. Je ne lirai pas la suite sur le t-shirt. Eh ben dis donc. On va l'appeler la consommatrice de grosses saucisses de Strasbourg. Hein. ça ne m'a pas troublé du tout. Ok, ce jeu est merveilleux et d'un raffinement rare. Oui, donc je disais, j'utilise moi une version d'OBS, Streamlabs modifiée, machin. Donc je suis un peu, pas en dehors des clous, mais je suis un peu sur une routine à part particulière, vous l'aurez compris. Et t'es la deuxième cette semaine à me dire, après Petit Seb. Alors Petit Seb, ça peut être encore autre chose, les pépins qu'il a eu. Mais effectivement, cet été, les dernières versions d'OBS semblent pas être top top. Pas assez éprouvées et ça a plutôt tendance à planter la plupart des diffuseurs, donc c'est pas cool. Mais oui, je suis navré pour toi. Merci pour ce clip. Oui, merci pour le clip. Oui, c'est pas cool parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps de diffusion. Et puis évidemment, toi aussi, c'est ton grand plaisir. Je crois que la dernière fois, tu faisais du Stardew Valley, je crois. Et toi qui adore la pêche. Et c'est dommage, quoi. Il faudrait que je prenne le temps, moi, dans la semaine, de réétudier hors OBS quelles sont les autres solutions de diffusion.
Parce qu'on parle toujours d'OBS, c'est plus robuste, le gratos, mais il n'y a pas que OBS. Je me demande si avec le multimédia VideoLAN, VLC, c'est bah, le lecteur multimédia que j'utilise pour les clips, là, à vous diffuser à gogo. Je me demande si... Ah non, on peut pas entrer de clé de serveur privé dans VLC, je crois pas. À moins d'utiliser un greffon. Faudrait que j'étudie. Il y a très probablement des solutions alternatives. Ouais, les mises à jour sont pourries, ouais. Comme quoi, tu vois, quand tu peux, tu sais, bloquer en manuel. Vous voyez, hein, comme quoi les mises à jour sont pas forcément toujours nécessaires à faire. Quand ton matos marche et qu'il n'y a pas véritablement de faille de sécurité béante, que tu n'es pas exposé à un piratage, que la mise à jour apporte des nouvelles fonctionnalités dont tu sais que tu vas pas t'en servir, tant que ta version est opérationnelle, tu vois, tu restes en manuel et finalement tu interdis la mise à jour de se déployer. Au moins tu sais que reposes sur des acquis solides. Et c'est ce que je fais moi. Regardez ma version d'OBS, je l'ai pas mise à jour depuis 2 ans je crois. Parce que la dernière fois que je l'avais mise à jour, que je voulais absolument être au diapason avec les dernières sorties, bah moi aussi je l'ai pris à mes dépens. J'ai eu une mise à jour de merde qui m'a empêché de diffuser pendant une semaine et demie, là, je sais plus quoi. Et ça m'avait foutu en pétard. Mais bon, le quid de mettre à jour ou pas, quoi, ça dépend quoi. Ouais, bah oui, si tu peux rebasculer en manuel. Ah, cousin dit, ce matin, petit tour en brocante avec tes puces. On est rentré avec une Super Nintendo qu'on va tester tout à l'heure, Street Fighter 2, ainsi que des jeux Nintendo DS. Ah bah c'est bien, vous êtes fait plaisir. Excellent. Eh ben. Oui tiens, je repense à mon périple de nuit là. Les salopards, on est resté, sans déconner, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure sur le parking de l'aéroport de Strasbourg. Et ils nous ont siroté 5€ les salopards de parking. Ah la vache. Pour moins d'une heure quand même, punaise, la note elle est assez salée. Bon bref. Oui Olive, tu dis, je sais pas comment faire pour rebasculer en manuel, j'y connais rien. Alors, je vais peut-être regarder tout à l'heure quand on va jouer tous ensemble. Je vais regarder rapidement, moi, ma version d'OBS, qui est peut-être, voilà, comme si c'était un OBS Triblab et pas un OBS tout court. J'aurais pas forcément la même interface que toi, mais si je peux retrouver l'intitulé de quelle est la bonne option, je te le donnerai. Faudra que je regarde ça tout à l'heure. Bon bref, attends, je sais plus là, je sais plus jouer. Revenons au jeu, excusez-moi. Rechercher un endroit où trouver des médocs. Ah oui, j'ai pas fouillé la bonne baraque. Les effets personnels de Tucker Humbert. Oui, qui est... Il est mort, le malheureux. Allez, on refait une sortie. Encore que, attends, je suis une sortie, mais non, ma barre de vie, elle est basse. Hop. Attends, je fais des bêtises, moi. Faudrait que j'ai la barre de vie à fond dans le rouge. On en est à la 30.2.2 en version. Oh la vache. Mais non, mais j'ai même pas vidé mon sac. Je suis débile, moi. Oh là, le mec qui sait pas jouer. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Tac. Calibre 22. C'était quoi? Ah oui, 45, oui. J'ai plus les bonnes balles, moi. Dans quel état est mon arme, d'ailleurs? Voilà, elle a l'air correcte. Calibre 45. Ouais, voilà. Je vais en prendre... Voilà, 30 balles, c'est bien. Oh la vache! 154 balles de calibre 22. Rappelez-moi de prendre un flingue de ce calibre. C'est pas les balles qui manquent. Non, c'est le sac que j'ai le meilleur, hein. J'ai le grand sac à dos 24. 24 de valeur. Il est extraordinaire, ce sac à dos. Je veux le garder. Ah oui, ça, faut que je le range aussi. Je vais le ranger. C'est quoi ça? Tu s'accroches un café! Ah, je vais au boire en vrai, vous ne m'influencez pas du tout.
Oh, ils sont dégueulasses. Ça a été filtré avec des boyaux de zombies. Oh. Encore, ils auraient dit avec une chaussette propre. Je comprendrais, mais... Ils sont dégueulasses. Fusée éclairante, machin... Aspirine, endort la douleur, mais inefficace pour les blessures graves. Ouais... c'est quoi ça? Éradicateur... Ah! C'est ça dont parlent les poupons. Un silencieux. Réduit le son de l'arme à feu, de construction décente, il devrait durer 30 coups. Ah! Mais le problème, c'est qu'on en a qu'un seul. Ouais, vu mon flingue, non, je peux pas adapter le silencieux au flingue là... J'ai vraiment le pétard qui pétarade méchant, quoi. Oh, les pétards. Pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Ouais, pour faire diversion comme dans Daylight. Les pétards. Alors, je suis un peu déçu au niveau des médocs. Je suis un peu déçu au niveau des médocs. Attendez voir. On n'a vraiment pas un autre meuble de stockage. Oh, c'est pas cool. Je peux parler avec Miss... That's a good word. Non, laisse tomber. Je renonce. J'en connais une qui aime les armes de gros calibre. La cochonne. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. C'était marqué sur son t-shirt. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, il faut de tout pour faire un monde. Allure. La 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 la, la petite course de santé le matin, on s'entretient. Quand je vous dis qu'elle va nous faire 10 pompes, elle va nous les faire, la miss. Non, moi, ce qui me chagrine, c'est d'avoir la barre de vie. Faut surtout pas que je me fasse morte, parce qu'elle va, elle va quever, la malheureuse. Alors que mais il y a quelque chose là dans le non il y a rien. La 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 la. Da di da di do da. Bienvenue à Zombieland. Alors le problème de ah non ça c'est la lampe c'est la carte que je voulais. Prout prout. Alors attends je peux suivre le long de la route. J'ai entendu un gémissement. Papa la papa. Bon, je pense que d'ici 2-3 parties, j'aurai écumé tout le quartier, non? J'aurai écumé tout le quartier. Toutes les maisons ont été vandalisées. Les placards écumés. Oula, attendez. Il y a un zombie à proximité. Regardez la rime. Alors, madame, vous prenez pas la tête. Ah. Quelle horreur. Mon dieu, c'est pas vrai. Bon. Personne ne m'a entendu. Infiltration ninja. Si tu peux. Est-ce que tu peux pas ouvrir la porte? Ah non, merde, elle est verrouillée. Non, 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 ne la force pas, ne la force pas. Ça va faire un vacarme d'enfer. Attends, mode discrétion. Oh, le graffiti! La horde des zombies. Alors, le premier plan, la madame, le masque et crâne d'œuf, je sais pas quoi, là. Je ne me prononcerai pas. Ah! Nous avons une porte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oh merde! Oui. Toilette publique. Ah, oh, mais c'est dégueulasse ici! Oh non, pitié, il y a des mouches, ça chlingue! Oh non, 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 au secours! Quelle idée d'aller dans cet endroit! Mais j'ai toujours pas compris à quoi servait le bâtiment! Hein. C'est juste des toilettes, c'est tout. Hommes et femmes d'un côté. Bon, vous me direz, c'est grand. Ah, oh, Burke. Rien que pour le principe de... Ça me donne envie de vomir. Burke, Burke, Burke. Quoi? La fenêtre de quoi? Ah,
c'est un magasin de bouffe où on arrive en tuture. Ah, il faut monter là-haut. Génial, un hurleur. Hop, il y en a un deuxième. Magnifique. Allez. Ouais, c'est la merde. Alors là, t'as gagné le droit de sprinter et de rester derrière le... Voilà. Ça va en arrêter quelques-uns. Si ça peut les filtrer, ce serait bien. Parce que là, on est dans la mouise. C'est la mouise finale. On va se faire bouffer tout cul. Ah. Alors là, j'avais le truc des flingues. Ah, il est déjà là. Ah. Faut surtout pas que je me fasse mordre. Reprends ton endurance, reprends ton endurance. Faut quasiment tout le temps faire des 360 degrés. Oh, magnifique! C'était une frappe de professionnel. Message de Torota 77. Prends la voiture et fais du WR3 et à fond les ballons 6M sans arrêt. Ah bon? Tu crois que c'est la soluce? Hop, 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 hop! Ça craint! Oui, alors crie autant que tu veux, toi, mais ils sont trop nombreux, là. La bagnole peut servir, tu crois? Alors, il y a intérêt à ce qu'il y ait des clés sur le contact, hein, parce que... Oh, j'ai pas aimé celui qui est... Ah, ça craint. Ça craint du boudin. Là-bas, il y a une bagnole, mais j'espère qu'elle démarre. Oh, putain! Oh, putain! Alors, celui-là, je le connais pas, mais c'est un zombie ultra dangereux. Waouh! Alors là, c'est encore un nouveau type de zombie que j'ai découvert, là. Ah, merde! Welcome to our little home. Sorry you had to show up at such a bad time. But we're really glad you're here. You've lost too many people already. C'est ce qu'on appelle une mort violente. Ah bah le moral, il y en a plus, là. C'était la meilleure de la troupe, et... Ah bah merde, alors. Ouais. Bidi, 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 bidi. Ouais, 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 ouais. Eh bah, ça craint du boudin. Chakra du boudin in the morning. Âme contondante, oui, fiable et robuste, oui, bah oui. Tu m'étonnes. Quoi, comment ça, j'ai pas mérité ça? Elle aime pas les armes contondantes, c'est ça? Pff, elle a pas le niveau. Je veux emmerder personne. Ah, c'est une pacifiste. Oh merde. Elle veut tout esquiver. Non, ça va pas le faire. Ah, on a beaucoup de calibre 22. Eh ben, prends le fusil à calibre 22. Non, mais c'est fou. C'est son trait de caractère, ça. Attends. Y aller à main nue et faire que de l'infiltration, ça va être impossible. Elle aussi, elle va se faire bouffer, mais alors une vitesse folle, la malheureuse. À moins qu'il faille faire le truc en deux temps, je sais pas. Ah ouais, c'est fou ça. C'est pas dans son caractère, d'accord. Bon. Même pas les cocktails Molotov. Ah, un petit peu quand même. Bon, je vais en prendre 3. Ouais, après. Ouais, non, je prends le risque de.
Attends, du coup, ils sont combien maintenant? Parce que je sais plus. Ils sont 6. Ouais. Vous allez voir qu'ils vont tous crever avec moi. Le jeu va s'arrêter. Les derniers survivants vont crever comme des caca. Alors, je vais essayer de faire honneur à la technique que m'invitait à observer Torota. Alors, peut-être pas avec nos véhicules. Je vais prendre le risque de prendre les véhicules des autres. Et de... Mais comment l'autre, elle s'est fait déchirer? Oh, c'était mode ultra-violence. Oui, mais je t'en prie, Olive. Il n'y a pas de souci, fais donc. Ressource-toi. Et puis, n'oubliez pas, hein, tout et tout, hein, n'oubliez pas de prendre de la flotte. Parce qu'avec les températures qui vont monter, là, et... Pédu! Tu n'as rien pêché, Olive, qui tu... J'oserais même rajouter à cela qu'au final, tu l'as dans le cul, Lulu. Ah! C'était quoi ce cri? Ah, mais c'est le super zombie de la mort, là! Attends. Mais, attends. Attends, mais c'est fou, ça. Alors, lui, il faut l'écraser, lui, clairement. Merde! Attends. Oula, oui, je sais plus piloter. Alors, il y en a un qu'il faut que j'écrase, c'est sûr. Putain, mais le super zombie, quoi, laisse tomber. La vache! Mais c'est le boss local, le mec. C'est le boss local! Il n'y a plus de horde. Par contre, je dis que la bagnole va pas durer longtemps, là. Parce qu'avec du jus de boyau humain... Ah, c'est bien, je l'ai percuté. Interville, lancé de vachette. Comment que j'ai décommé, là? Oh. Oh la vache, c'est super nerveux comment se pilote les bagnoles dans le jeu. Là, tu m'étonnes que je te fais un WRC là. Oh, esquive. Oh, pas même se la péter en tutu de police. On a vu le girofa. Bon, je sais pas. Apparemment l'essence est infinie. Attends, il est où l'autre? Et hop là! Voilà, sans percuter la barrière, c'est classe quand même. Bon, hé, j'espère que le super zombie il est mort. Hein. Attends, je vais mettre la bagnole là, histoire de pouvoir la réparer. Enfin, si je peux. Oh non? Ah, mais hé, la miss, elle connaît rien en mécanique? Bon, déjà, il faut laisser refroidir le moteur. Toi, tu vas mourir. Ah bah si, elle a quand même un couteau. Aïe. Elle est pas douée en combat là. Je suis. Eh, hey, l'autre il s'excite sur la meute de terre là. Ah, ah, j'en ai porte ouverte. Ou pas. Non, on va pas passer par là où il y a des bruits de verre parce que si c'est pour se couper, c'est pas la peine. Quoi? Comment ça? Oh merde. Mais non, mais... Oh! Merci. Oh, il peut y avoir des trucs intéressants ici. Merde, elle a une idée, il manque plus que ça. Merde! Il y a l'infirmière Joël qui est derrière. Eh ben, tu vas le construire ton atelier, je te le dis, moi. Attends, il y a l'infirmière Joël qui est... Ah! Mais non, mais arrête de te faire bouffer. Voilà, l'infirmière Joël est morte. Ah, violence! Violence la plus absolue. C'est le moment d'améliorer votre base. Oui, bah... Je te dis, prout. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi je peux pas fouiller le meuble? Mais, là, je vais mal parler, là, au niveau de la madame que j'incarne. Son CV est vierge, là, ou... Parce que si elle sait même pas fouiller un meuble...
Ah, merci. Qu'elle soit pacifiste et qu'elle refuse de porter une arme, je suis prêt à le concevoir. C'est un trait de caractère humain, je vais pas la blâmer. Mais, de refuser de faire la fouille de meubles, là, c'est abusé. Prout. C'est quoi le tussin? Ah. Oh. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Oh. Oh, il est tombé dans la bouffe. J'ai trouvé de la bouffe. Et ça, ça veut dire que on aura des interactions avec plus tard, c'est ça? Où on peut améliorer des... C'est quoi ce... Ah, le diable. Ah, la diablesse. Oh, pas mal le portrait au mur. La diabla. La diabla. Ah oui, ça c'est un meuble, ça. Oui, qui est pas mal rempli d'ailleurs. La 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 la, j'ai soif moi aussi, coffee. Oh, la pharmacopée. Non, je peux pas utiliser la guarana maintenant. Putain, c'est dommage. Attends, moi j'ai envie de goûter la guarana. Alors, résistance max régénérée stimulant vous rend temporairement une partie de votre résistance max. Ah. Tiens, le snack et ça repart. Voilà, au moins il a mangé. Alors, Rain Shadow. Quoi? Puis ombre, pâle, aile. Mon dieu. Il y a des choses étranges décrites dans ces murs. Prrr. La 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 la. Eh, si je repartais avec une voiture neuve. Eh, on est bien d'accord, je peux déposer des trucs dans la bagnole et repartir avec. Ah. Je sens que je vais avoir la collectionnite des bagnoles du quartier. On va voir le parking le plus rempli de la ville. Ça va pas louper. Eh, ça me plaît beaucoup comme ça. J'aime bien. Ça y est, j'ai fait les courses. Oh, 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 oh. Ah ouais. Attends, je vais me barrer. Je vais pas forcément essayer de les éliminer. Merde, il y a une horde là-bas. Ah ouais, c'est chaud. Je reconnais que le jeu, il est pas évident. Alors lui, il s'excite toujours sur sa mode de terre. Tout doux, tout doux, tout doux. La 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 la. Ouais, c'est gentillet. Oh, je sens que je vais préserver ce véhicule un bon bout de temps. Il me plaît bien ce véhicule. Ça y est, je suis rentré avec les courses. Faut m'aider à décharger. Ah oui, je veux bien une bonne bière. Et le pire, c'est que j'ai la chance. Vous savez que j'en ai une qui m'attend là pour aujourd'hui. Je vais honteusement me savourer une licorne noire en votre compagnie tout à l'heure, les copains. J'ai la chance d'avoir ça dans le frigo. Ah, ça y est, c'est la fête. Il faudrait que je passe au magasin d'armes pour récupérer un max de munitions dans le véhicule. La 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 la, débriefing. Alors j'ai tué honteusement l'infirmière Joël qui a voulu. Bon, ça va les gars, pas du pain non plus. Ils sont terribles dans leur attitude. Moi je rapporte des choses. Je rapporte du miam. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup.
Je vais aller à l'armerie. Je vais ramener... Quoi ? Confiance quotidienne limitée par la réputation. Ah bah oui. Ma réputation. Eh oh, 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 il y a beaucoup de zombies là. Attends, attends, je vais donner un... Ah non, il n'y a pas besoin de donner un coup dans les animaux. Allez, recharge et tire. Bien. Merde, t'as croqué. Ah, c'est bien, tu l'as battu. Bon, bah au moins mon... Mon sacrifice n'aura pas été vain. Bon, ça va. Le coffre est prêt. La bagnole est en excellent état. Alors, je vais aller à l'armurerie, stratégiquement, chercher des munes et des flingues. Au moins, ça nous permettra de tenir le siège. Nous allons tenir le siège. Alors, l'armurerie était où? Je ne sais plus. Oula, il y a une horde de zombies là-bas, ça craint. On va essayer de l'éviter. Ah oui, il y a les affaires de du regretté. Ça va, j'ai pas été suivi. Ramasser le sac à dos. Hop là. Déposer. Oh merde. Vite, on va vite démarrer. Ah! Oh merde, j'ai pas... Et là, stop! Oh merde, il s'accroche bien, lui. Comment ça, maximum de réserve dépassée? Oh, mais on m'en fout quand il dit ça, lui. Alors, attends, ça, c'est... Oh, lui, je l'aime pas. Oh, tu me diras, un zombie peut en cacher un autre. Non, je vais commencer à abîmer la tuture. Je veux pas, elle est trop bien. Oh là 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 là. Au pire, il y a une autre bagnole. Oh là, il y a beaucoup de monde là dans le... Ouais, fais la flop. Non, il y a la horde là-bas, faut pas que j'y aille. Faut surtout pas que j'attire la horde. Voilà. Ah, j'arrive pas à le... Vous pouvez lâcher la portière, madame. Il n'y a plus de place. Vous n'avez pas payé votre ticket. Wow, pourquoi il court là-bas? C'est bizarre, il y a des attroupements de zombies, dans... c'est si soudain. Ah, voilà. L'armurerie tant convoitée. Putain, il y a des actions zombies, tu sais pas pourquoi ils s'excitent. Ça fait flipper. Attends, je vais essayer de charger le coffre de munitions. Alors, prout prout. Je sais plus, j'avais tout bien fouillé ici. Non. Prendre. Voilà, voilà, voilà. On va bien écumer l'armurerie. Wow! D'accord, une mitraillette. Qui est trop lourde. Oh merde. Ah merde. Alors lui il n'était pas prévu au programme. J'ai l'impression de faire une chorégraphie de rock endiablé. Quand j'assassine outrageusement le zombie aux yeux rouges. J'étais un zombie sanguin. Vite, le coffre de la voiture. Faut mettre le pistolet mitrailleur dedans. C'est très lourd. Pop. Shit, tu es lourd. Wing. Voilà, voilà, voilà. Ah bah c'est cool ça. C'est merveilleux. J'adore. Oh, on a gagné un pistolet mitrailleur. Ça va aider à se défendre contre les grosses cochonneries.
La 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 la. Donc y'a plus rien là. Si, y'a encore des trucs. Prendre, c'est quoi ça? Ah, c'est une arme contondante. Je valide. Je valide. Ça c'est quoi? Ah, oh, je pense qu'il y a des petites munitions de calibre dans le petit meuble là, non? C'est là où je trouve un jerrycan d'essence pour des molotov. Ah ouais! Munitions lance-grenade. Ah, pas mal. Un silencieux. Bonjour, ange de lumière, comment que ça va? Comment que ça va, ange de lumière? La 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 la. Ça va tranquille? Bon, c'est bien. C'est cool. Alors, vérifier. Ah bah. Les fameuses... munitions à la Terminator. Bon, bah j'ai écumé l'armurerie. C'est cool. Oui, ça c'est une porte qui donne vers l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin de s'acharner. Ah bah c'est bien, je rentre à la base avec des munes. Des munitions. C'est la révolution. Il va falloir que je revienne sur le lieu de la mort de la malheureuse qui s'est faite déchirer en deux. Oh, cette violence. C'est dommage, je l'aimais bien. Alors, la carte dit... alors, je vais me manier les fesses et je lirai la carte plus tard. Oui. Oulala, il y a un zombie ninja là que j'aime pas. Je sais même plus où est la base. La base est pas là, si. Oui, c'est là où il y a le clocher. De toute façon, je suis pas dans la bonne intersection. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de horde là où je vais aller. Hop là, j'ai failli percuter le panneau. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Alors. Merci de me défendre alors que je suis en train de vider le coffre. Ah la vache. Ce jeu est impitoyable. Ouais mais ça c'est... Ah non, c'est un sac à dos qui est juste vide, d'accord. Je repasserai juste pour le pistolet mitrailleur parce que comme il fait 30 kilos le machin. Je ferai un aller-retour exprès. Bah alors, on se referme les portes, oui. Non. Ah, alors construire une zone de travail, oh mon dieu. Je le ferai une fois que j'aurai ramené le pistolet mitrailleur de la guerre méga kappa. Alors, déposer. Oui, stockons tout ça. Stockons tout ça. Oh la vache. J'ai enfin platine du premier Dark Souls. C'est ce soir, go pour le deuxième opus de Dark Souls. Wow! Sacré défi relevé. Je sais que c'est pour les acharnés, les Dark Souls. Mais bravo à toi, GG, bien, je l'humère. C'est toujours ça d'inscrit dans le CV des joueurs. Chez chaque mot. Pardon. Prendre. Voilà. On va ranger le pistolet mitrailleur. Oui, bon, c'est bien. C'est la fermeture automatique.
Alors ça, c'est mon gros gain d'avoir fouillé l'armurerie locale, c'est d'avoir le pistolet mitrailleur. Vous ne serez pas mort en vain. Ta la ta 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 ta. La pharmacopée, on va pas se mentir, elle est pas top. Hein. Ah, il y a Cynthia qui... Estrait, là, 38, qui fait son... Qui fait son direct sur je sais pas quel jeu. Sacré Cynthia. Ouh. Ce jeu est cruel. Alors on n'est plus que 6, ça craint. La zone de travail, je peux la faire ici ou pas? Comment je procède pour faire l'établi? Fermez-moi les portes, qu'on soit peinard. Oh là là là, j'ai les corbeaux qui sont déchaînés. Je sais pas si vous entendez croasser. Mais j'ai des corbeaux dans mon quartier, là, c'est la fête. Attends, comment je procède pour... Oh oui, alors là... Pardon. Cette zone-là, je sais pas comment je vais faire pour la épurer des zombies. Point d'inspection, reste rien. Eh, y a différentes bâtisses extérieures, hein. Y a des trucs... Il y a des trucs à contrôler. Ouais, ressources. Un pick-up moderne. Ouah, 4x4 militaire. Ah, pas mal. D'accord, la vanne du livreur de pizza. D'accord, t'as le type de véhicule et tu peux. Pas mal. Voiture de rallye. Ça fait envie. Pour moi, ce que j'ai visiblement est considéré comme étant un 4x4, non? Ah, il y a encore les effets personnels de Prout-Prout que je reviens aller chercher. Ouais, Félix Caldwell. Ouais, mais c'est chaud. Alors, c'est quoi le construire une zone de travail? Attendez, il faut que je relise, pardon, hein, mais il faut que je relise les options. Journal, radio, carte sociale. Bah, peut-être dans le social, non? Ouais, non, c'est ça, le social. Ouais, non, normalement, je suis censé avoir tout sous la main. Oh, ce roulé-boulé. Ce roulé-boulé. Ouais, saute de joie. Mais c'est bizarre. Ouais, il y a le coup du flingue. C'est très bien. C'est pas clair aussi le coup de la pharmacopée. Parce que moi j'aimerais bien me refoutre la santé au top, là, la barre rouge. Mais comment on fait? Oh, doucement. Pourquoi tant de violence? La 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 la. Bon. Ouais, faut que j'écume encore le quartier. Ouais, je pense qu'on peut fermer la porte. C'est la guerre. Attends, je te rejoins juste pour voir là. Là, on entend gémir. Ah, parce que c'est au pied de la... D'accord. Aïe, aïe, j'arrive, je suis fou. Magnifique. Ce tir. Alors, c'est le break que j'ai... Bah oui, le 4x4, il est là. Bon, je présume... On va vérifier à deux fois, mais je présume que les coffres sont vides.
Ah oui, non, mais là, elle s'est pas assassinée, là. Comme ça qu'on fait. Voilà. Ça, c'est du terrible assassinat. Mais on est d'accord, il n'y a rien de... Alors... Ouais, de nuit, ça craint. Alors, est-ce que la horde de zombies s'est barrée? Oui, non. Vérifions. Il y a toujours le garage là-haut. Ah merde, la horde est plus bas. Alors, il y avait, souvenez-vous, à un moment, on avait repéré sur la carte un pick-up militaire. Je veux voir si on peut y avoir accès au pick-up. C'est ça le pick-up militaire? Non. Oh merde, il y a des zombies. Allez, je vais le finir à la main, ça parle mal. Oh, y a rien, je présume. Non, y a rien. Ah, petit Seb qui fait la nuit de la mort. Y a petit Seb qui fait la nuit de la mort. Moi, je suis la nuit des zombies. Là, le trio me fait un peu peur. Attends, il faudrait que j'aie le temps de relire la carte parce que le coup du coup militaire, je suis plus sûr. Bien, bravo, bien géré. Non, pas la lampe. Pick-up break, voiture de police. Ah, le 4x4 militaire était beaucoup plus haut. Oh merde. Ah, j'ai loupé mon approche. Voilà. Alors au pire, j'abandonne le break là où il y a le pick-up militaire et je repars, je rentre avec le truc militaire parce que ça va être génial. Stratégiquement, ça m'intéresse fortement. Ah, mais il y a un tunnel là. La config, elle est mortelle. Ouais. Je vais abandonner le break là. Tant pis. Mais. Oh la vache. Il y a des zombies qui m'ont entendu le long de la route. Oh là là, il y a une horde en face. Oh, prions pour que le pick-up militaire y ait les clés sur le contact. C'est quoi le symbole sur la carte? Ça veut dire quoi? Oui, que c'est une horde, c'est ça? Ouais, la horde m'a entendu. Bon, j'ai gagné un pick-up militaire. On va pas s'en plaindre. Aïe. Je ne pensais pas accrocher. Oh là, il y en a du monde à la station. Oh là là. Mais c'est pas possible, ils sont reproduits durant la nuit là. Ah ah ah. Est-ce que la horde se serait barrée? Attends, on avance tout doucement. J'aime bien les à-coups que je donne à l'accélérateur.
L'endroit est bizarre ici. Il y a des trucs à fouiller en plus. Si je fais pas de bruit, à mon avis, je repartirai pas les mains vides. Et tu deviens vraiment parano avec ce genre de jeu. Qui c'est que j'ai entendu gémir? D'où il sort, lui? Oh la vache. Cool! Un bar! Wouah, des bornes d'arcade. Blaster Baby et Operation Kill. Operation Kill. Vérifie, est-ce que j'ai pas de visiteur? À 7h tardive. Ah oui, t'as de nourriture. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Yeah, yeah, yeah. Je ramène de la bouffe que je vais mettre dans le coffre du pick-up militaire. Ah. Ah, des petits snacks. Merde, j'entends des gémissements de zombies. J'ai de la visite. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Woo! Des bombes à chandière. Bonjour Noyone, comment que ça va? Comment que ça va, Nayone? Royal quoi? J'arrive même pas à lire. La police de caractère est tellement spéciale que j'ai pas su déchiffrer quel caractère c'était. C'est fou quand même. Espèce. Ouais, c'est cool. Ouais, tu vas bien? Bon, je veux bien, merci. J'ai le bonheur. Attends, à côté, il y a un truc qu'on n'a pas fouillé. Attends, je vais y aller en mode ninja, parce que là, comme il n'y a personne, autant en profiter. Ah non, c'est un bâtiment condamné. D'accord. Ah merde. C'est quand même étrange. C'est bizarre. Attends, est-ce que je peux en faire le tour sans me faire repérer? Bah, no trespassing, ouais, tu m'étonnes, toi. Merde, il y a un zombie là-bas. Il y a un zombie en face. Ah ouais. Ou alors, il y a un accès par le dessus. Je sais pas, par le toit, mais... Non, c'est trop bizarre comme... Alors là, mystère Blogom. Ouais, c'est un bon jeu. Ah, t'as testé un peu? Moi, j'aime beaucoup. Il est sévère, mais il est vachement réaliste. J'aime bien. C'est sympa, on entend les grillons. On entend... Et on entend des choses que je n'aime pas. Ça fait peur. Ayez peur. Ding dong, je rentre dans la maison. Là, c'est un magasin, ça. Si. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, on va pas forcer. Oh,
Oh, je sais pas si je peux faire le tour. Merde! Zombie à l'horizon. Yolé! Yolé! Zombie! Zombie! Je sais pas s'il y a une porte à l'arrière. Non, la vitre, elle est entière. De toute façon, j'ai vraiment peur du verre brisé et de me couper. Ah si, il y a une porte derrière. Attendez. Ah! Ça sent le traquenard. Pourquoi la porte sortie de secours est-elle grande ouverte? Pour mieux me manger. Mais qu'ils arrêtent avec cette blague de mauvais goût de dire amener les zombies. Ah, pas non. Attends, est-ce que je peux déverrouiller le truc, non? Ah, merci. Il y a le drapeau américain. Ah, mais c'est une administration, le truc. Ah, mais c'est la poste locale. C'est les casiers de distribution de courrier. C'est gauze. Oh, trop bizarre. C'est un attaché-caisse pour un instrument de musique ou pour un flingue ou une canne à pêche de luxe. Qui est ici que ce container? J'ai trouvé des munitions. Ah oui! Ah, je dis oui! Ah oui, bien joué! C'est l'attaché caisse de l'agent 47, là! On a retrouvé le matos Sightman, dis donc! Oui, cri, ouais, c'est ça, Twinset! De la codéine! Endort la douleur, mais inefficace pour le blessure grave, c'est du costaud, mais ça fait un bien fou. Ben, on a gagné de la codéine. On va mettre ça dans la bagnole. La codéine, chez ma copine. La chanson des drogués. Instituture de pizzouille. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coffre de la voiture de Pizzouille? Non, dommage. Il n'y a même pas un bon gratuit pour un soda. Je suis extrêmement déçu. Always nona nola. Comme vous connaissez. Bon alors, déposons le fling. On a gagné. Comment ça, je peux pas stocker? Ah merde, il n'y a plus de place. Ah bah, et oh, le modèle militaire, dis donc. Je lui dis prout au modèle militaire. Oh là là. Bon, attends, je prends les trucs à l'unité pas trop lourd. Bon, c'est pas la codéine qui va peser 15 tonnes non plus, mais bon. C'est drôle. Bon. Regardons stratégiquement la carte. Ah bah et oh, je suis proche de l'endroit que j'étais censé écumer là. On y arrive. Tu crois que je peux rentrer sur le parking? Putain, mais il y a des zombies vraiment partout quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais là pour amener de la bouffe. Et rien que le bruit de la portière que j'ai claquée, à mon avis, ça a attiré du monde. Regardez l'autre sur la route, là. Il m'a déjà repéré. Il dit rien, mais il m'a déjà repéré. Bon. Le corps, là, il est vraiment mort ou... Attends, mais elle va en découdre, elle, depuis qu'elle m'a repéré. Oh, il y a une horde au loin, là. Ils sont passés le mont, c'est moi. Non, sérieux? Vite, reprends ton endurance, ma belle. Ouais, je me dis bien que le corps était suspect. C'était bien un zombie en sommeil.
Hey, le fait d'avoir juste claqué la portière, vous avez vu le mouvement des zombies? Pouah. Attends, il y a un véhicule énorme là-bas. Ne me dis pas que le van est opérationnel. Non, 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 non. Le van n'est pas opérationnel. Faut pas rêver. Attends, ninja. Je suis un ninja. Vous ne m'avez pas vu. Et je vais vous donner des coups de lame dans le U. Parce que violence. Voilà. Oh, c'est beau, ce meurtre. C'était le meurtre de... Je sais même plus comment elle se prénomme, la Miss. C'était le meurtre de Miss Ninja. Oh la vache! Un claquement de portière, messieurs dames. Ça déconne zéro. Ironiquement, j'ai envie de dire, rappelez-moi que claquer. Alors, je vais surtout pas tirer un coup de feu. Oh merde! La horde qui est en centre-ville. Faut surtout pas qu'elle se pointe vers ma position. Tuile, 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 tuile. I'm gonna feel, tuile. Ça fait vraiment clip à la Michael Jackson. Ah, ah, ah. Je les ai eus en mode ninja. Oui, bon vilain. Non, non, tu vas pas hurler, toi. T'es pas un hurleur. Je vais te faire te taire à tout jamais. Aïe. Vilain. Il va mourir, monsieur yeux rouges. Ne me dis pas qu'il va me tuer, ce... C'est Wayne. Mais il est plus vil que mort, lui. Oh, mais il est chiant. Oui, allez, hop, le café, elle l'a mérité. Oh. Merde, j'ai la horde qui se pointe vers moi. Oh. Je vais même pas pouvoir fouiller l'endroit. Ou alors j'attends qu'il passe. Mais j'ai vraiment intérêt à la boucler. Et l'autre, on dirait qu'il bronze sur la route. Quoi? Schwein bovine. Chez le magasin de bouffe. Chez le Schwein bovine. J'ose même plus remonter à bord du véhicule, le démarrer pour me déplacer. Bon, je vais essayer d'atteindre ma zone que j'étais censé fouiller. Oh, est-ce que je pourrais redescendre par les rochers? Je suis pas sûr. Ah, là, il y a un petit chemin que je peux crapailler. Merde. Ah bah, ça va, tranquille, l'obèse. Il a de la ressource. Oh, j'aime pas le surplace que fait la horde. Et il va me bouffer, ce con. Merci. Alors, la horde est en train de se séparer. Il y a une partie de la horde qui va revenir vers moi. C'est chaud. Ah non, il y en a une autre là-bas. Oh, je sens que je vais être obligé d'abandonner mon véhicule. Je vous dis pas la merde. Je vais repartir avec un autre véhicule pour récupérer le... Alors ça, c'est très con. Ça sent pas bon, ça. Et allez-y, pétez tous les carreaux un à un, là. Non, mais ça craint, là. Ils sont trop nombreux. Il n'y a plus qu'à prier pour qu'il y ait les clés sur le contact. Les clés sur le contact. Les clés sur le contact. Les clés... Ah, ouf. Et merde. Bon. Va falloir improviser autre chose.
Wow, oh la vache, bonne motorisation. J'ai de la bonne motorisation. Je sais pas si j'ai fait cette baraque. Oh, je pense que c'est la plus proche de la base. J'ai la base finale. Je l'avais faite cette maison, non? Ah, vilain zombie. Poum. Poum poum poum. Alors, ninja style. Oh, je l'avais pas fouillé cette baraque, ça m'étonne. Bizarre. Bon, c'est la maisonnette de la pauvreté, visiblement, il n'y a rien d'exploitable, mais bon. Ah si, il y a un frigo. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, on a faim. Oh, pff, un café. Oh non, mais je vais le boire immédiatement. Oh la misère, toi. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, le coup de la horde là. Je reviendrai bien sur place, mais. Oui, je sais plus. Oui, non, j'avais pas le temps de vérifier, mais ouais, non, mais y a rien. En plus, c'est un petit coffre à 4 emplacements. Je peux pas mettre 50 trucs non plus. Non, non, je le prends pas en passager. La horde, où est la horde? Ah ouais, non mais là il y en a plein là. Ouais, je suis obligé de bousiller la bagnole aussi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Elle fait un bon vacarme la bagnole, j'adore. Hop là. Non, il est encore en vie après ça. Non, c'est pas possible. Non mais je vais ameuter tout le quartier. Vous allez voir. Merde, il s'est accroché à mon coffre. Attends, je peux faire le tour. Ah non, il a décroché. Hop là. Quelle horreur. Alors je présume qu'il y a des trophées du genre exploser en bagnole 100 000 zombies. Ah, ça commence à fumer, ouais, ça craint. Bah au moins la bagnole aura servi. Alors, j'arrive pas à interpréter le logo sur la gauche. Un zombie oreillé et l'autre qui l'est entier en blanc. Je sais pas. Va falloir que je me trouve un autre véhicule. Bon. Si j'arrive à repartir avec cette bagnole qui fume noire, c'est un miracle. Ah, oh merde. Oh là là, il y a des zombies partout. Sont-ils bien morts? Je n'en suis pas certain.
that won't work. That should do it. Voilà. J'en connais un qui hurlera plus. Bon, à part l'excité. Ah, si, il y en a qui arrivent. Dommage. Je pensais que je l'aurais eu. Je prends le risque de les appâter parce que, comme j'ai fait le tour en bagnole, il y en a un peu moins. Tu crois que je l'ai à distance, lui? Putain, ça aurait été stylé. Attends, je vais me le faire à la main parce que... Ah ouais! Quand même. Oui, il a bien les yeux rouges. Ah, oh, quelle horreur. Le démon s'est initié en lui. Ouh, on voit quelqu'un là-bas en face. Dans le local de réparation de bagnole. Alors... Mmh. Ah, il y a une échelle. J'ai remarqué l'échelle. Merde, dans la piste là. Ah ah. D'accord. Ah, et monter à l'antenne peut-être. Non, mais l'antenne elle est à part. Elle est à part, mais on peut y monter. Oh oh. Ah oui, il y a des zombies qui sont là. Ah. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Bidi 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 bidi. Il y a pas mal de containers à fouiller. C'est quoi ça? Minuteur de cuisine. Ah, pas con. Ça peut servir. Ah, quel dommage. On entend qu'il y a des ondas. Ah, attention, lui, il m'a repéré. Lui, il va en découdre. Voilà. Simple mais efficace. Bah alors, fouille, Nunuche. Arrête de parler. Y'a personne, de toute façon t'es seule, ma grande. Oh, j'avais l'interface qui me disait que je pouvais fouiller. Merci. Bougeoir. Ouais, je la mettrai dans le coffre de la bagnole. Ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. Chididididi. Pied de table, ouais, bon.
Ouais, bah on va mettre ça dans la bagnole. Ouais. Je peux pas prendre un autre véhicule par hasard. Oh merde, il y a une horde juste en bas. Oubliez-moi. Oubliez-moi, ça le fait pas. Bon, vu ce que j'ai dans le... Hein, autant garder tout dans le... Et je peux pas réparer la bagnole, je présume. On va discrètement se barrer. Oui, bravo, je me tape le muret. Génial, je ne sais plus conduire. Oula. Les boules. Attention, caché ou pas caché, j'arrive. Miaou. Putain, j'ai carrément fait un saut en rallye là. C'est... Bah, ça se passe comme on peut. Attends, je vais même mettre en barrage la bagnole. Voilà, exactement. On est d'accord, il n'y a rien dans le coffre. Voilà, c'est une... Elle va combler le... Et empêcher les zombies d'arriver. Bon, bah j'entre pas les mains vides. Je ne rentre pas les mains vides. J'ai des colis sur le dos. Ça, c'est beau. Alors, joue. You know. C'est lui qui dit Tussin, elle, ça sauve ou pas? Ah oui! Le Tussin lui fait du bien. Bon bah finalement, on a gagné des armes contondantes. Le pied de tape quand même. C'est le système D. C'est le système D. Et l'autre, elle a pas fini de tirer. C'est la guerre. J'en ai ameuté tant que ça? Attends, j'arrive. C'est Madame Gros Calibre. Ah oui. Ah oui. C'est Madame Gros Calibre. Ouais. Attends. Voilà. Tu tires bien dans la boîte crânienne. C'est comme ça qu'on fait. La classe. L'animation, elle est parfaite. On s'y croirait. Bon. On va peut-être faire le point sur la situation, non, les gars? Voilà. Comment que le moral s'est effondré depuis que j'ai perdu l'autre malheureuse? Il faudra peut-être d'ailleurs que j'essaye de vérifier de leur dépouille, là. J'ai bien essayé de trouver un endroit pour aller médoc, ça a toujours pas été validé. Je reprendrai bien une bagnole et j'essaierai de voir là où il y a les effets personnels des malheureuses victimes. Des déjà regrettés. Voilà. Berline classique, berline de ville, berline moderne. Waouh. Ah, on avait démarré là au départ. Ah, c'est là. D'accord, c'est là où on avait démarré l'histoire. C'était au bord de l'étang. D'accord. Ah, un site de base potentiel. Ouais, ça peut être sympa d'aller à l'étang, je trouve. L'église de l'Ascension. Alors, le conseil, construire une zone de travail. Il y a un truc qui m'échappe dans la manière de jouer. C'est comment j'établis la zone de travail, moi. Oh, j'ai chaud du ninja. J'espère qu'elle va pas se laisser déborder, la miss. Oh, le carnage. Mm.
Construire une zone de travail. Mais je sais pas si je peux solliciter Torota, parce que Torota t'es peut-être parti de faire dodo, je pense. Ou jouer à autre chose. Et c'est dommage parce que je sais que t'as beaucoup d'expérience sur le jeu, Torota. Et j'aurais pas été contre un petit indice. Oui. Ah oui, ça craint. Merde, les zombies étaient rentrés dans la base. Je pense que Tunsen, t'es en train de me causer sous Twitch. Pardon. C'est bizarre, j'ai un peu de mal à digérer mon café. Alors, Counter-Strike 2. Alors, excusez-moi, petite pause, je vais lire. Je pense que c'est. Oui, tu m'as écrit un truc. Te voilà. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Alors, Tunsen. Mais t'as fini, oui. Je suis en direct, Canaillou. C'est terrible. Tu étais Weeble. La 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 la. Visiblement, vous avez fait le choix, ce que je respecte hein, totalement. Vous avez fait le choix, tout le monde joue dans son coin aujourd'hui. Je sais pas, vous êtes confus. Mais je comprends parce que s'il fait trop chaud. Ah, je pouvais parler au pasteur. Je voulais la prière des coups de fusil. Un commérage adorant les livres. Ah, ils ont leur trait de caractère au-dessus de leur tête. Qu'est-ce que. Ah merde, les zombies sont. Waouh, on se fait déborder. Alarme. D'accord. Comment se fait-il qu'il y ait des zombies dans notre. Oui, qui s'y raconte comme un riz cette fois. Non, mais il m'a balancé, si tu veux. Il m'a balancé une animation de vache qui danse dans le chat Steam. Alors, comme j'ai entendu la sonnette de trucs, je lui dis tiens, je me fais interpeller pour qu'il me sollicite un truc, mais pas du tout. Il a voulu me balancer une meme qui danse. Il a voulu me déconcentrer, le vilain Twinchen. C'est scandalouche. Oula, je rêve ou le monsieur il est en Bermude? Ah non, je rêve, oui, non. C'est un jeu de lumière qui fait que. Attends, tu sais plus tirer là. Ah! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ils sont durs à qui, tu vois. Oh là, je suis en train de me laisser déborder. C'est dur. Mais arrête de gâcher tes balles, tu sais pas viser. Alors autant y aller en corps à corps. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est moi ou j'ai vu un zombie rentrer dans la. Mais attends, mais on se fait déborder par une horde de zombies là. Attends, c'est la merde là. Attends, vous vous en sortez là parce que. Ça va? Alors attendez. Je vais occuper les zombies. Putain, c'est fou! À mon avis, il y a une horde qui a voulu investir la base. Attends, où est le suivant? Ah oui, d'accord, il s'acharne là. Lui. Ding dong, c'est le facteur. Vache, il a fait bien mal. J'ai quasiment perdu toute mon endurance quand il m'a mordu.
Ça va. Ça, c'est des humains, c'est des copains. Nous sommes toujours 6, pourvu que ça dure. Ah non, mais là, on s'est fait déborder par une horde, là, clairement. Oh la vache. De carnage. Construire une zone de travail. Mais comment qu'on procède? Il faut que je discute avec les autres. Faut qu'on se répartisse les tâches. On fait comment? Elle a pas l'air débile en disant pas mal. Autocrate, il est flic. Ouais, il peut pas me suivre. Lily. Elle voudra pas me m'accompagner. Et il voudra pas. Oui, non, ils sont casaniers. En même temps, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait du monde à la base pour la gérer. Et voilà. Madame Gros Calibre qui. Hein? Bon. C'est bien. Elle assure la défense. Alors, une fois que je suis dans la grande réserve. Et avec ça, je peux rien fabriquer? C'est quand même ballot. Oui, bois un coup, tu as raison, je la lumière, merci. Vous dites you. Chiffleur. C'est peut-être des hortensias, non, je sais pas. Alors, j'aimerais récupérer les affaires sur les dépouilles de nos regrettés compagnons de fortune qui sont morts depuis. Wow. Pas mal de vitalité dans la mise zombie là. Voilà. Si je m'acharne contre le. Non. Ah non, ça marche pas. Ah, la petite citadine, je peux la prendre ou pas? Ouais, ça peut être sympa. Alors, on a un premier cadavre qui était là. Oh la vache! Yolache. Ah oui, il y avait des affaires de... du regretté ici. Oh bah non, c'est moi qui... Non mais là, le jeu abuse. C'est moi qui aurais dû avoir l'avantage quand l'autre a escaladé la rambarde. Pas l'inverse. Oui, venez péter les vitres. Voilà, très bien. Venez ouvrir les portes. Ah ouais, le sac est en lévitation. D'accord. On avait tout fouillé ici, je sais plus. Je crois, oui, non, c'était la première baraque. Non, mais attends, je vais mettre les affaires dans la bagnole. Dans la petite tuture jaune. La tuture jaune de l'aventure. Et là, c'est un assassinat dans les règles de l'art. Et du cochon. Oh, c'est bien ça. Ça me plaît. Doing. Hop là. La petite citadine. Oh merde. Il y a une horde de zombies qui s'approche. Il y a les tuiles. Il faut que je change de rue. Sinon, je vais l'avoir dans le U. Oh non. Oublie-moi, madame zombie.
Oublie-moi, Madame Zombie. Oublie-moi, Madame Zombie. C'est la vie. Maximum de réserve dépassé. Il y a certains messages que j'ai du mal à interpréter dans le jeu. La 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 la. Ah ouais, le sac en lévitation, c'est un style. On va pas se mentir. Ah, ma chaud, le chacalo, c'est du matos qu'il faut ramener à la base. Ah, la base. Oh la vache, y'en a du monde là-haut. Vite, mettons discrètement le sac dans le coffre de la tuture. Voilà, c'est pas perdu. Alors, la suite. Oui, alors on a déjà écumé le truc de Prout. Là, il voulait que je fasse quelque chose, mais j'ai toujours pas compris quoi. C'est bien, elle est discrète, la citadine. Doucement. Et on dirait presque une... Non, on dirait presque un peu une Seat Ibiza. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On dirait la petite citadine espagnole. La Seat Ibiza. Ibiza. Ah, c'est là-bas, les médocs. D'accord. Mais non, mais il faut monter sur le... C'est ça, en fait. Eh oui, tu m'étonnes. Hop là. Faut aimer la grimpette. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a un temps moyen. Hein. La météo est pas top top, mais bon. Il y a la luminosité. On va pouvoir... Oh là, les antennes 4G. Rechercher des installations médicales. Alors, bouton droit de la souris. C'est un garage. C'est un véhicule. C'est un véhicule. C'est un véhicule, véhicule. C'est une horde de zombies. Avec un van. Oh, clinique vétérinaire, putain. Véhicule, ça c'est le miam. C'est une maison. C'est un véhicule. C'est un site de base potentiel. C'est un site en construction. C'est une horde de zombies. C'est la précédente gagnante de la valise RTL. C'est un véhicule. C'est une horde de zombies. C'est un véhicule. C'est une maison. C'est un hôtel 3 étoiles. J'achète la rue de la paix. Ah, je passe par la caisse d'épargne, je passe par la caisse prison et je touche 10 000 biftong. À qui le tour? Station service. C'est-y pas beau? C'est la taverne de Maître Canterre. Ah, c'est quoi mes pieds? Ah bah oui, la poste, tu m'étonnes. Oh là là, oh oh, le clip de Michael Jackson continue. Sous nos yeux ébahis. Twitter. Non mais j'adorerais qu'ils se mettent vraiment en groupe et qu'ils se mettent à danser la Macarena. Eh, Macarena! Qu'est-ce qu'elle a donné, Oh, il y a un oiseau qui passait. Chebao. Eh, sérieusement, stratégiquement, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et là, tu parles mal. C'est la danse des nonards.
qui savent pas faire quoi le soir. Et qui tournent dans les coins. Ouin, 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 ouin. Ces zombies. Oh, qui s'acharne sur mon ancien véhicule, là, l'espèce de corbillard militaire noir. Qu'est-ce qu'il se pète un sprint, lui? Oh, il a vu que ses copains allaient l'abandonner. Il a rejoint la horde. C'est pas mal, hein, cette logique de... Pardon. Cette logique de regroupement de... On va dire d'entités. Se demander même s'il n'y a pas des trucs planqués dans les dans la nature. Alors, je pense que les modélisateurs de la carte se sont fait plaisir dans un environnement ouvert comme celui-là. Il doit y avoir des surprises, il doit y avoir des trucs de planqués. Torota, il est là ou pas? Non, il doit faire sa sieste, je pense. Dommage. Parce que j'aurais aimé, comme il est grand connaisseur du jeu, j'aurais aimé poser quelques questions à Torota. Mais je devine qu'il y a des trucs planqués dans la nature, vous savez, une grotte, un truc comme ça, ou... vous savez, les sites militaires à l'américaine, les bunkers en sous-sol. Mais il danse au niveau de la voiture, ce nigo, ou... Bon, bah, je suis pas prêt de récupérer le 4x4 militaire. Hein. Alors, attends, la suite, je fais quoi? Il faut vraiment que j'aille à la clinique vétérinaire? C'est quoi, ça? Oh, des survivants amicaux! Sérieux? Y a des survivants amicaux. Oh la vache, il y a beaucoup de hordes. Des survivants amicaux. Alors là, pour les rejoindre, ça va être sport. Alors attends, j'ai entendu le jgling de comique par. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, que tu m'as écrit, qui, que, quoi, comment, qu'est-ce? Et j'ai un bug. Pourquoi je vois pas le message de Twinsen? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, t'es rigolo en disant je suis seul en partie, mais dans quoi? Dans... Tu joues à quoi? Je sais même pas. Ah, tu es dans Portal Story. C'est encore un autre truc. Mais, tu une scène. Il faut s'organiser, tu sais, dans notre salon commun, là, de sous Discord. Et, je sais pas, faites-vous des propositions de jeu, et puis dites-moi tous comme un accord... il faudrait presque que je garde un œil sur ce que tu me dis, une scène. Attends, je vais essayer d'organiser ma fenêtre d'écran secondaire pour que j'arrive à suivre tout le monde. À la fois le chat, est-ce que vous voulez me mettre en direct secret j'essaie de concilier au mieux. Non, va pas sauter, malheureuse. Ne fais pas ça. Oh, cette vue est magnifique. Oh, ça fait... Hey. C'est dommage qu'il y ait inscription l'interface, là. Parce que ça ferait une belle image de fond d'écran. Elle est en mode karatéka au sommet du truc. Bon, allez, sérieusement, je... Oh, c'est quoi, ça? C'est ça qu'il faut faire. Vous avez déverrouillé un bonus. Ah, assistance radio. L'édition originale de State of Decay. Si vous choisissez cette option, un personnage exclusif rejoindra votre communauté. Oh. Waouh. Alors, contact, appel aux pillards, maison. Appelez les pilleurs pour venir chercher des ressources et du matériel utile à cet endroit. Établir un avant-poste, maison, créer un avant-poste dans le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. D'accord. Ah ouais, j'ai mes points d'influence. Alors merci d'avoir suivi les options, vous livrant un 4x4 inédit près de votre base ainsi qu'un fusil et une hachette dans le placard à réserve. Eh, ça m'intéresse le pack survivaliste, je veux bien.
Ah ouais. Ah oui, je veux bien un bonus, et pour 5 petits points, sur 150, je veux bien... Ah oui. Oh, un fusil, une hachette pliante. Mais c'est merveilleux. Je dis oui. Je dis oui au cadeau bonus. Alors, est-ce que j'essaye d'aller à la pharmacie ou pas? Non mais la radio, c'est extraordinaire, je suis ravi, mais je veux passer à autre chose là. Excusez-moi les gens. Attends, je suis là. J'ai malheureusement une horde de zombies près de moi. J'ai la clinique vétérinaire. Ah, puis c'est en temps réel, hein. On voit les mouvements de horde. J'ai la clinique véto qui est là pour des antibiotiques. Il y a des survivants là-bas. C'est super intéressant. Le jeu est excellemment bien pensé. Oh, ah ouais, c'est pas la petite horde. Merde. Bon, bah on va voir si je peux contourner la horde. Oh, c'est sport. C'est sport de chez sport, là, comme approche. Tali-ti-lou-lou, tali-lou-li-lou-la. Oui, c'est ça. C'est... Ah, elle m'a fait peur de la manière dont elle s'est mise à descendre l'échelle, la demoiselle. Oh oh. Il y a déjà un zombie qui la trouve à croquer. Ah bah bravo. Merde, il y a beaucoup de monde. Je sens que je vais faire un petit tour en bagnole. Je m'enfuis, vite accélérateur, passe la première. Alors, ouais, c'est qu'il s'agirait de faire diversion. Merde! J'ai la horde de zombies qui se pointe du côté de la pharmacie, c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir les copains? Il y a des potentiels... Merde, il y a des zombies partout, ils m'ont entendu. Je suis là. Oh là là, ça craint. Ils étaient où les survivants? Ils étaient quelque part par là-bas au loin. Doucement, doucement, doucement. Oh, il y a un attroupement. Ah ouais, ça craint. Est-ce que je peux couper... Ah ouais, la petite baraque là-bas. La petite maison dans la prairie. Oh là, mais attends, mais il y a une autre horde de zombies là, ça va pas. Subtilement en bagnole. Ouah, j'improvise un parcours de rallye là. Doucement la bagnole. Elle est pas tout terrain. Elle est pas tout terrain. La 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 la, ça craint. Attends, il serait où les... Ah oui, je suis au bon endroit. Aïe, doucement la voiture. Ils seraient où les survivants? Dans cette baraque? Ah, je veux bien y croire. Alors attends, il y a du monde et il faut que je m'en occupe. Ouh. Oh la vache. Non, ils sont trop nombreux. Lui. Ah, j'ai dit, il va mourir, lui. Oh non, ils sont trop nombreux, là. Non, 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 non. Barre-toi, 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 parce que t'es morte, de là. Non, il faut que je les occupe en bagnole. Alors, pardon, je vais utiliser votre pick-up, les gens, mais... Ça va me permettre de faire diversion. Voilà. Vas-y que je t'occupe les zombies. Ouh, les zombies. Oh, c'est quoi cet engin de mort? Ah oui, c'est qu'une remorque. Dommage. Oh, je suis là. Putain, mais ils sont débiles. J'aimerais les mettre à l'opposé de la grange, histoire que je puisse m'entretenir avec les survivants. Youhou.
Oh. Ah, oh, ils sont encore un peu trop nombreux. C'est bon. On n'en parle plus. Ah, il y en a encore là. Voilà. Il est robuste le véhicule, j'apprécie. Un véritable petit char d'assaut. Non mais ils sont combien quoi? Oh, oh la vache. Oh, y en a pas mal hein. En marche arrière. Oh oui. C'est beau. Ah. Bon. Wouah. Comment Claude je l'ai projeté. Oh la vache. Violence routière. N'est-ce pas merveilleux? Oh. Allez, je rends visite aux survivants. Je rends visite aux survivants. Dans tes dents. Glad you stopped by. Oh, bah ça va. We're never gonna make it on our own. Not like you folks have. Not like a charity case or anything. We'll work. Ok. Attendez, vous avez encore des hordes de zombies qui viennent vous enquiquiner. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il disait quoi, le monsieur? Attends, j'arrive. Pardon. Oui, donc quoi? Vous me suivez? Vous devriez nous rejoindre. Thanks. You just saved our lives. Watch my back. Sure. Ah ouais, pas mal ce que vous avez. Ah, pas mal. Bah, abandonnez votre ferme. On va s'installer ultérieurement. Ouais, il y a beaucoup de zombies, ouais. Comment ça, j'ai pas mérité ça? Attends. Ah oui, non, là, vous vous laissez déborder, là. Attendez. Attendez. Comment ça se fait qu'ils sont rentrés, eux? Je crois qu'il y en a un qui est monté. Merci. Attends. Je crois qu'il y en a un qui est monté à l'étage. Non? Ça va, vous êtes vivant? Ouais, c'est bon, on bouge. Est-ce que on pourra tous monter dans un véhicule? Je sais pas. Ouais, c'est une 4 places.
Ça va? Tout le monde peut monter? Bah génial! Allez, on fonce à la base. Bon là par contre, je vais pas dégommer les zombies parce que c'est pas le gabarit du véhicule qui permettra de le faire. Attention la horde de zombies. Ouais, on a des copains chou-vivants. On va se faire une merguez party pour fêter ça. Alors attends. Oui, attends, faut que je reprenne la bonne intersection. Ouais. Attends, je suis perdu là. Oula, oui, non, je suis allé trop loin là. Bah merde, j'étais sur la bonne intersection, j'ai pas reconnu. Honte à moi. Honte à moi. Ah, mais oui, l'entrée elle est là. Oh, j'ai pas reconnu le portique. Enfin, le portail. Ouais! Voilà. C'est cool. Enfin, attends, je vais garer la bagnole autrement là, parce que on va rien voir, c'est un peu nimp. Voilà. Ah, ça remonte le moral des troupes d'avoir des nouvelles têtes. À qui crier le plus fort, je ne peux pas dormir. Comment ça? Mais oui, les choses s'améliorent. Venez rentrer, les gars. Attends, comment j'ai fait? Voilà! C'est l'assistante radio que j'utilise pas. Attends, je vais reparler au pasteur, mais... Ah oui, non, il y avait un zombie qui est... Oui, la grille est refermée. Mais oui, que je vais reparler au pasteur. Joue en équipe, adorant la littérature. Oui... Comment ça, adieu? Attends, c'est quoi que j'ai vu? Ah, c'est une rivière. Mot d'inspiration. Restaure votre résistance max. Bah, je veux bien. Oui. Je veux emmerder personne. Non, je peux pas. Ah bon? Ah, elle veut pas. Alors, créer un avant-poste dans le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Ouais. Comment ça, elle veut emmerder personne? Ah, il y a Torota qui m'avait dit que je pouvais passer d'un personnage à l'autre. Mais je sais pas encore comment on fait. Parce qu'ils ont chacun leur aptitude. Comment je fais pour passer d'un perso à l'autre? Ah, j'ai plus d'influence disponible. Voilà pourquoi elle dit qu'elle peut pas. Il faut que je regagne des... faut que je regagne du mérite pour pouvoir... Mais c'est bien, le moral remonte. Le moral remonte. Ah, mais j'ai pas vidé le coffre de la voiture, moi, je suis con. Je suis un idiot. Faut que je retourne à la tuture. Aspirine. Ah oui, c'est mieux avec de l'aspirine. De l'aspirine. De l'aspirine. Des amphétamines. De la drogue. On va pas se cacher. De la drogue.
Voilà, je prends quelques munitions. Bang bang, I see the rain, bang bang, da di do da, bang bang, da di do di do do, da di do di do da. Le village zombie, je l'ai vu. Alors, j'avais des choses dans la tuture. J'avais des choses dans la tuture. Ah merde, je ne peux prendre qu'un seul sac, évidemment, ça va de soi. Ah, et je sprint. Elle est prête pour les Jeux Olympiques. Attends, eh oh. Ah, il n'y a personne sur la... Ah merde! Ah mais il n'y a personne qui flingue. Du coup, il y a les zombies qui rentrent. Bien joué. Ah merde! Elle est partie faire dodo. Et il va falloir que quelqu'un dans la troupe se désigne tireur. Hein. Que vous fassiez les 3-8 parce que... On n'a pas fini d'avoir de la visite. Hein. On n'a pas fini d'avoir de la visite. Bon, c'est bien, ça c'est rangé. On va retourner encore à la tuture pour le dernier sac à dos. Dans la petite citadine jaune. La petite citadine jaune. Prendre le sac à dos. Bande de vilains pas beaux. Pa-pa-da-pa-pa-pa-da-pa. Allez, Zou, vas-y ma grande. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est bon, oui, ça s'est rangé automatiquement. Ça s'est rangé automatiquement. J'ai des mains. Les points de prout-prout. Ah, bah ça y est, j'en ai. C'est déjà ta maison ici. D'accord, donc je ne peux pas améliorer. Et il disait construire une zone de travail, mais comment on fait? Ils sont terribles les hurleurs, ouais, je suis d'accord. Attends, je ferme juste la porte. Et... L'arbre de zombies au milieu de nulle part, tant mieux. C'est quoi ça? Ah, des champs. Tu parles d'une ressource, toi? Tu parles d'une ressource. Hé hey! On est quand même dans le quartier, enfin dans la ville moyenne. Hein. Et encore, c'est une ville moyenne. Mais ça, c'est la grande ville, ça. Oh la vache. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais punaise, ça doit être sport. Hein. Donc, il faudrait shipper des... J'allais dire des clopes. N'importe quoi, moi. Shipper des médocs. Des médicaments, la clinique vétérinaire. Il faut éviter les hordes de zombies. Eh ben, ça va être sport, c'est moi qui vous le dis. On verra la zone de travail plus tard. Ça me dérange d'avoir personne qui fasse le guet. J'ai peur que la base se fasse déborder, envahir. Ça ne me rassure point. Ça ne me rassure point. Je vais continuer avec la petite citadine. Et on va essayer d'atteindre la clinique vétérinaire. Non, non, je suis là. Suivez-moi. Tut, tut. Ça va, ils me suivent? Ouais, ça va, ils me suivent. Au moins, je vais les écarter de la base. Quelqu'un a besoin de parler, mélancolie. C'est bien, ils se barrent tous du domaine. Allez, sortez-moi de là, allez vous promener en ville.
Allez vous promener en ville. Alors on va essayer d'atteindre les médocs. En espérant qu'il n'y ait pas dehors de zombies. Oula, j'en fais du coup. Je pense tricher. Je prends des risques là. Je passe en mode rallye. Ça a l'air de payer. Ah, c'est chiant les carcasses. Voilà, du coup ça me perturbe. Ah, cinématique. What did I say? No cars. About time you showed up. Let's get the show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. The door will make less noise. Or hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Take this. Gonna need it soon. Il y a sûrement une porte à l'arrière. C'est beau. Oh, j'aime bien la déco. Voilà. Oh la vache. All right, hop to it. Get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? Comment on sait évacuer le bâtiment? I didn't realize the Department of Fish and Wildlife counted as a beat. Laugh if you want. I'm still the only law enforcement officer on duty in this town. Yeah, and if we gotta deal with any zombie crowd, we'll be the first motherfucker I know. Clear out the inside! Oui, bah je sais. Oh merde, 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 j'étais en train de. Bon, j'arrive. Alors, ils sont où, vos zombies? Voilà, zombie mort. Elle s'en sort. Ah bah, elle s'en sort très bien. Eh ben voilà. Bravo. Gardez le périmètre. Oui, on essaye. Ah bah c'est bien, ils s'en chargent d'eux-mêmes. Ils font eux-mêmes la fouille. Ça va? Bouge de là. Parapaparapa. Ouais, c'est sympa. Oui, d'ailleurs, si on se met à trois sur la malheureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais attends, on va tenir le 5 à 2. Lancer l'ouverture. Prendre, prendre, prendre. Voilà. Après, il n'y avait rien d'autre, je crois. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, sauvegarde alors. Attends, je sais plus. Ah oui, on avait pris la petite citadine. La cinématique m'avait perturbé. Attends, il reste pas quelque chose dans le coup des légumes là? Attends, voir. Non, il y a rien à prendre. Non, c'est vraiment vide. Dommage. Bon, lui, il va mourir. Vache. What did I say? No cars. Hey, dipshit. You're trying to be sneaky here. You might as well just ring the dinner bell. Il veut vraiment pas qu'on y aille en bagnole. Oh non mais il est terrible d'imposer ces conditions. Ah bah voilà.
Bon, bah ça fait suer, il faudra que je revienne rechercher la... On est d'accord qu'il n'y a rien dans le coffre de la bagnole, hein, parce que si l'autre il veut pas y aller en bagnole... Oh, il est casse bon monde, mec. Ils ont leur petit caractère, les gars. C'est quoi cette fin de zombie couché debout, là? Aïe. Voilà, bien fait. J'ai un abruti qui tombe dans le quartier en bureau, là, il commence à me courir sur les nerfs. Parce que c'est vraiment paradé pour rien faire, là. Oh, vache! Bon bah tant que vous êtes là... Oh vache. Tant que vous êtes là, on en profite. Bon bah alors... Tant que vous êtes là, on en profite. Alors, qu'avons-nous trouvé? Oh, ça c'est cool comme arme. Oui, je veux bien m'en équiper. Oh, elle est très lourde. Elle est tellement lourde que je vais la laisser sur place. Attends, on dirait qu'il y a un truc là que je peux prendre. Non? Ah non, c'est une pile d'assiettes. D'accord. Je me disais, c'est tellement blanc. Oh, cette scène! Ah oui, mettez-le dans le casier. C'est tellement drôle. La 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 la. Zombies up ahead. Go through or go around. Oh merde. Attends. Ah oui, merci, vous en chargez. Voilà. Au moins on a un accès ouvert. Ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant dans le garage. Cette manière d'ouvrir les portes, j'adore. Notre base était là-haut. Bon, ça va, la météo est avec nous. Looks like trouble up ahead there. Comment ça obtenir un véhicule? Bah, et vous changez d'avis comme de chemise? Attends, il y aura une bagnole pas loin, mais... Il y a le pick-up là... Elle est opérationnelle, cette tuture? Ah non, il lui manque les pneus, là, elle est défoncée. Elle a un coffre. Non, même pas. D'accord, ça compte même pas. On laisse tomber.
Terrible. Terrible. Attends, j'allais viens te chercher comme une princesse. Viens, monte. Mais je vais pas t'écraser. Perte de confiance, chauffard. Non mais faut arrêter. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai possiblement des... Putain, il faudrait que tu refasses le game, ma grande. Morale bas, peur. Ah bon? Alors, ressources gagnées. Stockage. C'est cool. Bah voilà. J'ai quasiment refait ma santé. Quelqu'un a besoin de parler. Eh bah dis donc. Eh bah on va se faire la causette, bouge pas. C'est le bonus contact et périteur, le monde d'inspiration. Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, joue en équipe, aimait bien faire du camping. Alors, allons faire un tour. Démarrer la mission, apporter. Abattre quelques zombies et bavarder un peu. Bah oui. Come on. Quit moping around. I need your help. Happy to help? Ah bah voilà. Toi, ça va? T'as plus besoin de causer? Bon. Peur et tristesse. Mais non, mais non, mais non. Attendez voir. Ouvrir la voie. Oui, bah. Pas mal, hein, les petites croix noires. On a fait pas mal de trucs, hein. Bon, il y a la partie là que j'ai mal faite, donc on va y aller. On va regarder. Ah, elle est retournée à la tour de guet, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Attends, on va prendre le véhicule là. Sympa, camoufler le véhicule. Mais rien que la baraque là, on l'a pas faite en bas. Oh merde, une horde de zombies. Bon, il va falloir faire attention, mais... Ah ouais, il y a pas mal de zombies. Prise de risque. Vache, ils sont nombreux quand même. Alors c'est chaud, mais c'est faisable. Alors attends, reprends un peu d'endurance.
Reprends ton souffle, reprends ton souffle. Eh ben, tu vois, tu es une championne. Voilà, c'est la nuit qui arrive et on a tué une horde de zombies. T'es la meilleure, ma grande. Alors, maison, construction... Est-ce qu'il y avait des trucs? On a eu chaud, mais on l'a fait. Pas mal. Je veux bien m'en équiper. Arrache-clou, ouais, ouais, ça peut aider. Toujours une arme contondante de gagner. Ah, il y a un truc là. Ah oui! On va faire des cocktails Molotov. Un petit Jewican d'échange. On va pouvoir allumer des hordes de zombies. Waouh. Ah oui, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merde, il y a un zombie qui arrive. Et voilà. Pff, la posture du zombie. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fouillé dans le coin? Il y a la baraque à côté, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'on l'ait faite. Hein. Non, non, on n'a pas fait la baraque à côté. Lâche en main, c'est vrai que... Oh, pas mal la montagne en portrait là. En paysage encadré. Ouh, il y a des trucs à fouiller. J'ai entendu bruit. Bon, on va refermer la porte. On va refermer la porte. Wow, c'est le petit meuble bien compact. Je me demande quelle bonne surprise il peut y avoir dedans. C'est quoi ça? Ressources médicales? Non, sérieux? Oh. Ouais, bah au moins c'est ça de prix. Oh, un attaché caisse. Intéressant cette pièce. Intéressante. Elle est intéressante. Oh! Le fusil de l'amour. Oh la vache. On va préalablement fouiller ce meuble. Va falloir prendre la voiture et charger le coffre. Je vous le dis tout de suite, là, les gens. Oh merde, on n'a rien découvert. Voodoo. Même là encore, il y a un meuble. Ce portrait du karatéka avec une banane en coiffure dans les champs. C'est spécial. C'est quoi les statues de champion de cricket apparemment? Ou de baseball? Ouais, non, ici il n'y a plus rien. Mais non, mais cool. Ah bah tiens, il y a encore un autre véhicule. Oh, décidément. Ah oui, non, celui-là il est pété. Ce véhicule n'est qu'une carcasse. Alors, nous allons subtilement... Ouf! Oh! Je veux conserver et entretenir ma hache. C'est trop bien comme arme contondante. Mais j'adore. Attends, attends, attends. Je reprends mon endurance et puis... Attends.
la vilaine fille. Au suivant. Mais à quoi elle joue? Chopez-le. Mais te prends pas la tête. Alors, le coffre de la tuture. On va mettre le fusil. Bam. Bam, bam, bam. On va déposer l'arme contondante. On va y mettre les molotovs. Les médocs. Quoique non, les médocs, c'est pas trop lourd. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Jellycan de déposer. Ah! Là, j'optimise bien mon espace. J'entends des choses. C'est la nuit du zombie. La terrible nuit du zombie. Bon, alors il vient m'attaquer ou il danse la Macarena, là? Mais qui se regarde les yeux dans les yeux, là? Allez mourir! Voilà. Bon, alors. Ouais. C'est cool. Si c'est calme, tant mieux. Eh, ça pose quand même une sacrée atmosphère. Hein. Je sais pas comment vous trouvez, mais... Il y a quand même un suspense qui est haletant. C'est beau, ça. Des clous. 5 kilos de clous. Ouf, neuf, meuf. Bon, bah, je vais prendre les 5 kilos de clous. Ça ira dans le coffre de la voiture. Remplir le sac à dos. Et là, je suis obligé d'ouvrir parce que j'ai... Oh! Mais oui. Attendez, on va charger le coffre. On va charger le coffre. Là, il y a quelque chose ou pas? Il va me dire que c'est des jerrycans, c'est ça? C'est de l'essence pour cocktail Molotov. Mm-hmm. Attends, les trucs... Oui, ça pèse super lourd. Voilà. Et je vais prendre le jerrycan. Attendez. Je vais embarquer le jerrycan parce que au moins on aura de la réserve en munitions. Voilà. Nickel! C'est le casse du siècle. Attends, ma grande, suis-moi, s'il te plaît. Eh bien, le duo de filles. Efficacité redoutable. Trop, trop bien, les filles. Elles bossent très bien en tandem. Ah! J'ai pas coûté le pilier d'entrée. D'entrée de la propriété. Bah, ça se passe plutôt bien, les copains. Hop là. Alors, qu'est-ce que je peux décharger? Je vais prendre le fusil. Hop. Hop. Ah bah le moral va remonter en flèche, vu le matos que je ramène. C'est énorme. Et un fusil. C'est la vie. Et doucement, oh là, ces coups de feu. Cette guerre qui dit pas son... Oh, pff, comment que j'ai défoncé le portail d'entrée? Cette guerre qui dit pas son nom. Alors... Bah... Mais tu peux... Ah, tu peux pas le prendre, oui, d'accord, il y a trop de choses. Oui, non, c'est vrai, ça, je reconnais que c'est trop lourd. J'avoue. Je reviendrai chercher le jerrycan après. Allez, pan, coup dans la grille. Chiqui pan, 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 pan.
Allez-y. There you go. Don't say I never gave you anything. Déposer les cocktails Molotov, déposer, mais c'est très bien. Allez, je vais chercher le jerrycan dans le coffre. Et là, on va faire le point sur la situation. Merde! Une horde de zombies qui arrive. Venez goûter de ma hache. Viens goûter de ma. Ah bah là, il aura même pas l'occasion là. Bon allez, hop là, dans le sac cadeau. Ah ouais, elle a éclaté, elle en peut plus là, le truc pèse 10 kilos. 10 kilos. Ah bah c'est génial. Bien joué, ma grande. On va fermer la porte, on sait jamais, pour qu'il y ait des zombies qui débarquent. Ah, ben on est peinard. Alors, point sur la situation. Objectif actuel, ouvrir la voie. Ah oui, alors. À l'hôpital. Oh la vache. Si un jour j'arrive à prendre le contrôle d'un hôpital et... Waouh. Poste de police, information, une banque. Alors la poste, on a... Oh, un truc de cinéma. Alors City Focus. Un aéroport, airport. Alors là, ça m'étonnerait. Ah si, peut-être ça. C'est quoi cet énorme bâtiment? Trop bizarre ce truc. Mais non, pas le long d'un point d'eau, l'aéroport, si. Putain, ce serait énorme. Ce serait énorme. Il y a des petits trucs à droite, à gauche. Mystère et boule de gomme. Il y a des choses à découvrir, je vous le dis. Là aussi, pareil, t'as un chemin, tu sais pas pourquoi. Le chemin, il va choir nulle part. C'est étrange. Bon. Bah c'est bien, je rejouerai une autre fois. Ou peut-être plus tard, si dans la soirée, peut-être que je referai une deuxième session, je sais pas, je verrai. C'était sympa. Ça sauvegarde automatiquement, on est d'accord. Excusez-moi. Près d'un point d'eau, l'aéroport, et comment se passe pour Venise? Oula, trop de questions, Daniel. Trop de questions, pas assez de réponses. Non, écoute, je sais pas, mais la carte a ses mystères. Ah, chez Mystère. Bon, Winamp. Winamp était jadis sur mon écran secondaire. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il allait se mettre sur l'écran principal. Et j'arrive même pas à le balancer sur le côté. Scaling. Always on top. Attends voir. Auto. Ah, il se planque automatiquement. Not docked. Dock and dock, Windows back dragging. Ah, pourquoi pas. Ouais. Non. Non, là, il m'a mal compris. Ah, j'ai cliqué là où il fallait pas. Bon, tant pis. Du coup, j'ai dû bousiller, je présume, mon interface de direct. Je sais pas. Bon, bref. Alors, attendez voir que je gère.